Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien vous installer. Marie-Christine Clairet, elle est dans les parages, là. Marie-Christine est arrivée ? Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Elle était là. Allô, je suis en session du Conseil général, là. C'est qui? Ah, des bons deux. D'accord, ben, je vous rappelle, hein, ok? À tout de suite. Monsieur Guéguin, et je veux bien commencer quand Marie-Christine Clairet va être là. Quoi. Nous reprenons nos travaux et nous allons voir la dernière délibération qui concerne la Commission des solidarités et de la famille. Il y en a deux, bien sûr, MDPH et l'autre. Donc, être aux côtés des plus fragiles. Mais je n'ai pas la délibération. Tu peux m'allumer ? Daniel, vous me les donnez, s'il vous plaît ? Je ne les ai pas. Quelqu'un peut me les donner ? Alors, favoriser. Donc ça, c'est concernant la MDPH. Hein. Donc, nous prenons acte de l'augmentation croissante de l'activité, de son plan stratégique de développement et d'action, de bonne participation des usagers, des travaux réalisés, du renforcement et... La délibération conclut sur une participation financière du Conseil général de 1 750 000 euros, 650 000 euros, hors mise à disposition de personnels territoriaux qui dépendent du Conseil général et à disposition de la MDPH et qu'on ne retrouve pas dans le montant. Hein, c'est bien ça. Il n'y a pas de valorisation, ce qui est dommage à mon point de vue, de notre présence au sein du service que constitue la maison départementale des personnes handicapées. Bien, mes chers collègues, est-ce que sur le financement, le plan stratégique de la MDPH, vous avez des observations, un point de vue à formuler ? Pas d'observation. Un mot, Marie-Christine Clairet ? Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le budget de la MDPH, le budget activité de la MDPH, qui prend en compte également des personnels embauchés dans le cadre du GIP. C'est un budget qui prend en compte l'augmentation des demandes vers cette maison, hein, les demandes qui ne cessent de progresser depuis sa mise en place en 2006.
Nous avons cette année à élaborer le nouveau plan stratégique de développement pour qui va courir de 2013 à 2016, qui sera validé à la prochaine commission exécutive du printemps prochain, du mois de mars prochain. Et nous avons également, pour faciliter le travail des équipes et diminuer les délais de traitement des dossiers, nous allons mettre en place la gestion électronique des documents. Alors c'est un chantier important parce qu'il faut savoir qu'il y a un archivage énorme de dossiers. Un dossier ne peut être fermé pendant, même après le décès de la personne, il doit rester opérationnel si on a besoin d'éléments. Et donc, eh bien, là, nous allons mettre en place cette gestion électronique des données. Et pour ce faire, nous avons fait le choix, plutôt que de sous-traiter, d'externaliser, nous avons fait le choix d'avoir une équipe de 4 personnes sur un CDD de quelques années, 2 ans, peut-être 3, de façon à ce que ces personnes soient bien au fait, en lien avec l'équipe qui œuvre au sein de la MDPH, des dossiers qu'elle traite et des pièces importantes à numériser, parce que ce sont quand même des documents d'importance et il ne faut pas que certains passent à la trappe. C'est par rapport aux expériences vécues par d'autres MDPH que nous avons fait ce choix-là. Donc ce budget tient compte de tout ça pour 2013. Que dire de plus ? Monsieur le Président vous l'a annoncé hier, une réforme est en cours pour rapprocher la MDPH de l'entité Conseil Général. Alors c'est vrai que nous avons déjà les personnels qui travaillent au sein de cette MDPH peuvent venir de différents lieux de structure État. Voilà, et donc certains sont déjà salariés du Conseil Général et quelques-uns du GIP. Eh bien, il s'avère que nous avons déjà remplacé par des postes Conseil Général des postes dont les personnes relevant de leurs administrations ont rejoint leurs administrations d'origine. 4 pour ne citer que cela. Donc c'est vrai que ça va déjà, nous avons déjà, nous, élaboré une politique vers les équipes liées au Conseil Général. Et vous dire que, eh bien, nous avons aussi salué la participation que nous avons de l'ensemble des partenaires avec cette maison, que ce soit les partenaires associatifs qui sont associés aux différentes instances, que ce soit les partenaires que nous appelons relais contacts sur le secteur, qui permettent cette décentralisation d'aller vers l'usager le plus facilement possible. Donc voilà ce que je pouvais dire, Président, sur le bon fonctionnement de cette maison des personnes handicapées. Très bien. Merci. Tout à l'heure, sur les 1 650 000 euros, j'ai parlé de valorisation des personnels, mais en réalité, le financement des fonctionnaires du service public départemental mis à disposition de la DMTH sont dans les 1 650 000 euros. Donc il faudrait faire la part des choses. Je rappelle ça parce que lorsque la loi handicap a été votée, avec la création de la maison départementale des personnes handicapées, le choix d'alors fut que le statut soit un GIP. Et le GIP a été mis en place avec des personnels de l'État qui faisaient déjà de l'instruction des cartes d'invalidité, des AAH et autres. Nous, dans le département, nous avions fait un autre choix parce qu'on aurait pu recruter les 30 personnes mises à disposition sous statut GIP. Et nous avions voulu, à l'époque, pour des raisons politiques que l'on peut comprendre, plutôt recruter au sein du Conseil général et mettre à disposition ces personnels qui leur permettraient et qui leur permettent un déroulement de carrière. C'est-à-dire, ils sont fonctionnaires, ils sont là dans le GIP, mais demain, ils peuvent aller revenir au Conseil général, aller dans une autre collectivité. Et sinon, ils auraient eu un contrat convention collective, GIP, nous savons bien les uns et les autres. Je rappelle cela parce que souvent il y a eu des débats, et notamment pour l'intégration des personnels de l'État mis à disposition. Nous, dans notre département, les choses se sont plutôt bien passées, puisque 15 d'entre eux
sont venus des ex de l'administration d'État pour la Cotorep et autres, la CDES, et sont restés dans d'autres départements, ils sont retournés à leur administration d'origine. Et là, il y a une actualité. Dans la loi de décentralisation à venir, je vois d'ailleurs Marie-Lise Lebranchu ce soir qui auditionne toutes les associations pluralistes à 19h15 pour la présentation du texte que je viens de recevoir ce matin même, dont je ne l'ai pas encore lu très précisément. Et il y a, vous savez, la possibilité que les MDPH deviennent un service public départemental. Mais il y a de fortes réserves exprimées par le milieu associatif du secteur du handicap. Il y a un collectif de 72 associations, quelque chose comme cela, dont des associations très importantes, elles le sont toutes, mais en termes d'établissement ou autre, je pense à l'UNIOPS, qui avait tenu son congrès à Saint-Brieuc l'an dernier, qui est dirigé et présidé par une femme du Calvados, qui est d'ailleurs fonctionnaire au Conseil général du Calvados dans sa vie professionnelle, et elles sont très hostiles à ce que les MDPH deviennent un service public départemental. Nous, l'ADF, on ne l'avait pas demandé, on trouvait que c'était plutôt une bonne mesure, et je sais qu'ils avaient un rendez-vous hier matin à Matignon pour faire prévaloir leur point de vue. Ils estimaient qu'avec le GIP, ils étaient dans participant à la gestion des MDPH, alors que nous proposions avec un service public départemental qu'il y ait un conseil d'orientation, comme c'était avec... voilà. Donc je ne sais pas où on en est pour l'instant. Sinon, la formule, ce serait de transformer le GIP en établissement public départemental. Donc un peu style CCAS, comme nous les avons dans nos collectivités locales et qui pourrait, à mon avis, être un bon compromis sur le sujet. Voilà, je profite de ce rapport puisque c'est totalement... pour l'instant, dans l'actualité, comme j'ai évoqué hier le possible transfert des ESAT ex-CAT dans les compétences des départements à l'avenir. Voilà. Mais je n'ai pas entendu de réserve exprimée ici ou là sur les bancs de l'Assemblée. Ça veut dire que nous sommes favorables à l'unanimité à voter cette délibération concernant la MDPH. Et là aussi... en disant bien que dans les instructions de dossier, il y a des délais à respecter, 4 mois et 6 mois, et que dans le département des Côtes d'Armor, nous sommes dans les départements français, où ce n'est pas facile, mais nous essayons le plus possible de respecter, n'est-ce pas Marie-Christine, qui assume la responsabilité politique de la MDPH, avec Bernard Lepatézur, le directeur, qui assiste bien entendu à nos travaux. Voilà. J'en viens à la dernière délibération, puisqu'elle est adoptée à l'unanimité, cette délibération 2A, à la délibération sur être aux côtés des plus fragiles. Attendez. Voilà, ça y est. Donc la délibération 2-3. Alors, elle s'affiche, vous la connaissez, elle rappelle un certain nombre de constats sur surtout le revenu de solidarité active et elle propose que nous inscrivions 46 922 847 € pour le financement du RSA. 1 940 000 € à l'agence de services et de paiement pour l'activation du RSA et des contrats aidés, inscrire 1 585 853 000 € pour, là aussi, financer des actions, et puis d'autres subventions dans le champ des solidarités, les mesures d'accompagnement de paiement social, l'aide sociale aux agriculteurs en difficulté pour une autorisation et un crédit de paiement de 300 000 €. Donc voilà la proposition de délibération avec des annexes qui concernent toutes les associations qui concourent et qui permet au département d'être aux côtés des plus fragiles. Voilà, mes chers collègues, vous avez la parole sur cette délibération importante qui engage financièrement, légitimement le Conseil général
aux côtés des familles de notre département qui sont en situation de fragilité. Au nombre de... Combien de familles à peu près qui perçoivent le RSA? 7 000, je crois. Vous avez le chiffre, Daniel? Il y a plus de 7 000 allocataires du RSA. 7 000 allocataires du RSA socle, sans parler du RSA majoré. Philippe Mellé. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que je voudrais dire concernant le RSA est relativement simple. Quand on regarde les chiffres à la fin de l'année et ceux du début de l'année, globalement, l'augmentation est relativement faible. On est de l'ordre de 2%, ce qui semble assez faible, et ce qui l'est aussi au regard de l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi. Derrière ces chiffres se cache un certain nombre de réalités, souvent difficiles, mais ça nécessite aussi quelques explications. Première chose, le RSA activité, c'est-à-dire qui concerne les personnes qui sont déjà dans l'emploi, qui perçoivent du RSA, leur nombre n'a pas augmenté. Il a même peut-être légèrement baissé. Et il est aujourd'hui quand même très faible. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier du RSA, qui sont dans l'emploi, ne le demandent pas. C'est de l'ordre de 40% des personnes seulement qui font valoir leur droit. Elles ne demandent pas le RSA pour diverses raisons. Mais les principales sont que parfois les démarches sont considérées comme trop lourdes et trop compliquées en regard parfois du montant faible que cela peut représenter. Mais aussi, et c'est peut-être la situation la plus fréquente, beaucoup n'osent pas et ne veulent pas demander le RSA de peur d'être stigmatisés. Donc je crois que là aussi on a un gros travail d'information qui a besoin d'être effectué. C'est un droit, c'est une allocation qui est adressée destinée aux personnes qui en ont besoin. Et il est simplement je ne dirais pas qu'il est un devoir de faire valoir ces droits, mais c'est quand même la première chose. Ce que je voudrais également dire concernant ces chiffres du RSA, concernant le RSA majoré, qui concerne généralement les familles monoparentales, ce chiffre a tendance à légèrement baisser le nombre d'allocataires, ce qui est une donnée qui est quand même assez intéressante. Par contre, la donnée la plus inquiétante, c'est que s'il y a une évolution, une légère augmentation, cette augmentation, c'est celle des allocataires au RSA socle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'activité. Ceux qui n'ont pas d'activité, qui sont sans travail. Et ce qui est plus inquiétant, peut-être, c'est que beaucoup de ces allocataires ont tendance, le nombre de personnes longtemps dans ce dispositif est plus important et monte, c'est-à-dire que c'est la conséquence de la situation économique et de la situation de l'emploi qu'on rencontre depuis plusieurs années, et il est de plus en plus difficile pour ces personnes d'arriver à sortir du dispositif, à retrouver une activité, à retrouver leur place dans la société. On verra tout à l'heure les actions que nous entreprenons dans ce domaine, mais je voulais dire que ce chiffre est quand même en augmentation. Alors, pour l'année qui vient, on verra quelle est l'évolution. Je crois qu'on doit se mobiliser effectivement pour... les contrats aidés sont là pour ça, les différentes actions qu'on peut mettre en place sont là aussi pour ça. C'est un enjeu qui est important, c'est un travail qui est lourd, mais je crois que sur lesquels on doit être motivé. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que les allocataires au RSA sont accompagnés soit par Pôle emploi, soit par les services du Conseil général. Aujourd'hui, c'est 56% qui sont accompagnés par les services du Conseil général et environ 40% par les services du Conseil général. Dans nos prévisions de départ, on imaginait que le nombre de personnes accompagnées par Pôle emploi serait plus important. Ça témoigne aussi de la dégradation de la situation. Merci, Monsieur Mellé. Monsieur Leroux. Oui, merci, Président. Chaque mois, nous organisons à travers nos commissions locales RSA des discussions qui sont parfois difficiles. Difficile dans les décisions, dans les orientations qui sont à prendre. Et notamment envers un public
qui nous échappe, c'est le public relevant du domaine artistique. On a du mal à voir quelle décision à prendre pour ces personnes, dans la mesure où nous n'avons pas les outils nécessaires à l'appréciation de leur situation, et savoir si la demande de RSA constitue une demande valable ou valide. Deuxième point, dans la matinée de cette journée que nous consacrons au RSA, nous avons également des auditions d'allocataires, pour les entendre, connaître leur parcours et savoir quelles sont les orientations et les décisions qu'ils sont amenés à prendre. Mais nous nous rendons compte très souvent que des problèmes de mobilité, des problèmes liés parfois également à leur état de santé, les empêchent de se rendre sur ce lieu d'audition. Donc être au plus près de ces allocataires du RSA est pour nous une nécessité, une obligation, dirais-je. Pour autant, nous avons parfois des failles dans notre système d'appréciation. Et je pense que d'être auprès de ce public en pleine fragilité sur différents points demande de notre part une attention et une solidarité à tout instant. Et je crois qu'à travers ces commissions locales que nous mettons en place, nous avons le souci d'une équité à l'endroit de ces publics et être à leur écoute. Bien, mes chers collègues, est-ce qu'il y a sur ce dossier d'autres interventions ? Angé Leco et Sylvie Bourbigot. Oui, juste, merci Président. Donc, revenir sur ce rapport et parler de l'agriculture. Et également donc, des agriculteurs en difficulté et le RSA qui s'adresse à eux également. Dire que l'année 2013 va être particulièrement difficile au niveau agriculture. Plusieurs raisons. Des cours peu rémunérateurs, je le voyais encore ce matin au niveau du porc, une nouvelle baisse. Et un cours donc qui est largement en dessous du prix de revient de sortie d'animaux. C'est également vrai en lait également. Une augmentation des matières premières et ça pour toutes les productions. Et également aujourd'hui, on le voit dans le journal, il en est question aussi des baisses de restitution qui va fortement frapper la production avicole. Donc c'est vrai que l'accompagnement du Conseil général cette année va être mis à contribution, sollicité dans le cadre de la politique de soutien à l'agriculture. Il va en être question dans d'autres rapports, dans une autre commission plus tard. Savoir, et je rejoins ce que disait Philippe Mellet, au niveau RSA agricole, c'est pareil. On a aujourd'hui, je crois, 374 ménages qui sont donc concernés par le RSA agricole. Je peux vous dire, moi, pour connaître un peu la profession, que c'est sûrement un chiffre inférieur à ce qui pourrait être en réalité. Donc là aussi, tous les agriculteurs ne se dirigent pas vers cette possibilité de RSA. On constate aussi dans le rapport que le RSA, maintenant, il y a une forte proportion pour les plus de 50 ans. Hein, on voit que la catégorie d'âge vont plutôt en progression, c'était 40-45 avant, maintenant 45-50, et sur des surfaces inférieures à 25 hectares. Donc je pense, je voudrais me tromper, mais je pense que le nombre de personnes pouvant intégrer le système RSA en agriculture va sûrement progresser dans l'année 2013. Et l'avenir pour eux au niveau de ces agriculteurs, on voit qu'aujourd'hui donc, ils ont plus de 50 ans, des surfaces vraiment petites. Quel est l'avenir pour ces gens d'exploitation et les hommes qui vont avec ? On s'aperçoit qu'ils vont avoir sûrement beaucoup de difficultés à poursuivre leur activité avec les mises aux normes qui sont imposées au niveau environnemental. Et ensuite, on va les retrouver pour une partie, donc les accompagner jusqu'à la retraite peut-être pour certains. Et après, au niveau retraite agricole, qu'est-ce qui se passe ?
soit l'exploitation elle est reprise, hein, parce que de taille intéressante et peut-être aux normes, et à ce moment-là, c'est vrai, l'agriculteur peut bénéficier d'un capital. Par contre, si l'exploitation n'est pas reprise, donc il n'y a pas de capital à la sortie, et il faut savoir, donc au niveau agricole, quel que soit le montant des cotisations payées dans le cadre de la carrière, il y a quelques agriculteurs en retraite ici pourraient confirmer, mais la retraite maximum, elle est entre 800 et 1000 euros. Et donc 800 et 1000 euros, quand on regarde le début du rapport, eh bien c'est en dessous même le seuil de pauvreté, puisqu'il est de 954. Donc voilà, je ne voudrais pas avoir un message trop pessimiste, mais je voulais quand même porter à la connaissance de tous ici dans l'hémicycle ce que peut-être, au niveau profession agricole, ce qui existe aujourd'hui et le devenir. Hein, ce n'est pas un message pessimiste, hein, c'est pas, il ne faut pas en faire une généralité, mais il faut savoir quand même que sur le terrain, et moi j'en vois de façon régulière, que cela existe. Merci. Merci, Président. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Yves, à savoir l'aspect mobilité pour les personnes en grande difficulté. Une expérience, et notamment pour les jeunes, une expérience avait été menée au niveau du Trégor avec l'auto-école solidaire OCAM, qui n'a pas pu continuer faute de moyens. J'aimerais que, effectivement, cette expérience serve quand même à quelque chose et qu'on puisse analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, le pourquoi de ces difficultés, dans le sens où il faut accompagner les jeunes, puisque là, il s'agissait de cet effet dans le cadre de la mission locale. Donc, il fallait accompagner des jeunes de moins de 25 ans, les problèmes connexes à la mobilité qui étaient relevés. Et effectivement, comment on pourrait réfléchir pour proposer des solutions aussi dans ce cadre-là et avancer sur ce thème-là. Merci. Bien. Avant de donner la parole à la présidente de la commission, Marie-Christine Clairet, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? André Calistri. Oui, Monsieur le Président, je voudrais mettre en exergue le travail que font les... Le travail que nous a demandé le Conseil général. Là, je parle en tant que mission locale. Le travail que nous a demandé le Conseil général de travailler avec les jeunes à propos du RSA, au niveau du suivi. Et cette année, nous avons travaillé pendant une année à bien s'articuler avec le Conseil général pour mieux recevoir les jeunes de moins de 25 ans au niveau du RSA, au niveau des missions locales. Et ce travail a été bénéfique et je pense que cette année 2013 verra un travail beaucoup plus concret, ensemble, sur cette problématique des jeunes et du RSA. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes au RSA de moins de 25 ans, mais les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sont énormes. Mobilité, garde d'enfants, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, en tant que président d'une mission locale, je vois cette année un travail intéressant, et surtout très intéressant pour les allocataires du RSA, en complémentarité entre le Conseil général et les missions locales. Merci. Monique Le Clésio. Oui, juste un tout petit élément d'information pour nos collègues, puisque tout à l'heure, Angelocco précisait que probablement dans un autre rapport, nous aurions le dispositif qui a été mis en place depuis de nombreuses années par le Conseil général pour venir en aide aux agriculteurs qui sont en difficulté. En réalité, l'organisation nouvelle que nous avons mis en place dans nos rapports rattache notre dispositif d'accompagnement des agriculteurs en difficulté à ce rapport. Donc je voulais le souligner. Non seulement il y a donc l'information sur le nombre de bénéficiaires du RSA, mais il y a aussi l'engagement qui est le nôtre pour faire en sorte que lorsqu'il y a difficulté, l'ensemble des partenaires soient réunis dans des tables rondes pour réfléchir aux solutions possibles avec notre investissement dans des subventions qui permettent de relancer les exploitations agricoles quand c'est possible. Mais c'est aussi l'accompagnement d'un certain nombre de structures qui sont des partenaires précieux dans notre dispositif, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit la Solidarité Paysan ou l'association Agir,
qui sont des structures qui, avec nous, à nos côtés, permettent d'identifier les solutions les plus pertinentes par rapport à la situation propre de chacune des exploitations agricoles. Donc je voulais souligner ce rattachement de cette partie de notre politique agricole à ce rapport, parce que peut-être l'ensemble des collègues n'avaient pas identifié son nouveau positionnement, mais aussi pour montrer l'engagement qui est le nôtre. Et nous savons qu'en 2013, effectivement, comme nous l'avions fait en 2012, nous avons des craintes sur un certain nombre de filières, ce qui nous conduira à avoir des temps d'échange en session pour éventuellement faire évoluer les moyens à disposition de cette politique pour l'ajuster au plus près des besoins ressentis sur les territoires. Très bien, merci. Alors, Madame Clairet. Oui, eh bien, à travers vos propos, je pense que vous avez bien compris que ce rapport « Être aux côtés des plus fragiles », si le Conseil général est le chef de file de l'action sociale, il n'est pas seul. Parce que vous avez vu en annexe aussi le nombre d'associations qui vont avoir des subventions dans le cadre de l'action sociale, qui permet justement cette complémentarité. Et pour reprendre les propos de Monique Le Clézio, je rappellerai aussi l'étude qui va être menée et continuée avec une doctorante cette année aussi par rapport au malaise agricole pour mieux aussi percevoir et mieux faire face et mieux prévenir ce qui pourrait en advenir si nous ne prenions pas garde. Je rappellerai également par rapport aux bénéficiaires du RSA que dans nos contrats de territoire, nous avions mis dans les contributions pour les communes et communautés de communes la clause insertion sociale lorsque celles-ci entreprennent des chantiers. Et pour ceux qui ont fait cette clause, qui ont demandé aux entreprises d'avoir cette clause d'insertion sociale et qui ont permis à des personnes loin de l'emploi de s'intégrer sur des missions courte au départ, eh bien, ça a été un succès, puisque pour beaucoup, les missions se sont prolongées, et pour certains, ça a permis soit de partir en formation, soit de retrouver un autre type d'activité auquel ils n'étaient pas sensibilisés. Donc, je rappellerai cette contribution pour que sur vos territoires, eh bien, vous soyez vigilants et avertis de ce qui peut se faire en la matière, parce que les entreprises ont pu aussi émettre des avis positifs dans ce sens, même si on sait que là aussi, l'année 2013 ne sera pas facile en termes de travaux publics ou de construction. Mais c'est en tout cas des leviers importants pour trouver une dynamique vers l'emploi pour certains qui en sont éloignés depuis quelque temps ou qui n'étaient pas dans des filières à proprement parler de ce type. Donc, eh bien, nous avons le Conseil général des Côtes d'Armor, comme quelques-uns sur le plan national, a vraiment lancé une dynamique de schéma d'action sociale. Vous vous rappelez, nous l'avons travaillé lors de nos décisions modificatives en 2012. Il devrait vous être présenté en 2013, à la première session de 2013. Ce schéma d'action sociale va bien mettre en évidence les complémentarités et les partenariats nécessaires à ce que le préventif et le curatif aillent de pair, mais qu'on n'oublie pas surtout ce secteur préventif, parce que je crois que si nous voulons faire en sorte que les Costa-Armoricains vivent le mieux possible, eh bien, c'est le préventif qu'il faut aussi privilégier. Et donc là, nous avons besoin d'un partenariat élargi. Donc je voudrais simplement signaler ce schéma qui est en cours de travail par territoire, en fonction des réalités de chaque territoire, en lien avec les MDD, et donc combien il est important pour l'avenir de ce qui va en découler et ce qui sera soumis à la DMA, c'est-à-dire au printemps 2013. Donc voilà, Président, ce que je voulais préciser par rapport
à ce rapport, être au plus près des personnes en fragilité. Cher Jocelyn. Oui, Président, je crois qu'une question a été posée, mais je n'étais pas encore en séance, sur la situation des artistes par rapport au RSA. Je crois que c'est M. Leroux qui a lui posé la question tout à l'heure. Il existe en effet un dispositif particulier à l'attention des artistes en difficulté. Un agent au sein des services culture est chargé de les suivre et de les accompagner, et en particulier par rapport aux procédures RSA. Il faut savoir que le nombre d'artistes ainsi accompagnés est à peu près stable. Depuis 2009, au moment justement où le RSA a été reconstitué, 160 bénéficiaires. C'est le nombre de ceux qui bénéficient de l'appui donc d'un agent. La déterritorialisation a évidemment amené à décentraliser un peu la procédure. Les artistes en question sont reçus désormais au sein des maisons départementales. À noter qu'il s'agit pour l'essentiel de plasticiens. Les autres, pour tout ce qui concerne le spectacle vivant, ressortissant davantage des procédures intermittentes du spectacle. Bien évidemment, l'essentiel, quand on parle de réinsertion professionnelle s'agissant des artistes plasticiens, c'est la valorisation de leurs œuvres qui leur permettrait d'en vivre. Et c'est aussi à cette tâche que le service consacre un certain nombre d'efforts. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Bien, mes chers collègues, avant de voter cette proposition de délibération, cela a été peu évoqué, et on peut le comprendre tant la situation économique et sociale est difficile, mais la meilleure insertion sociale et professionnelle dans notre pays, c'est la création d'emplois. C'est de permettre à des hommes et des femmes de retrouver une activité professionnelle, une insertion dans le monde du travail et en un mot, à être totalement partie prenante de la société. C'est bien de cela dont il s'agit et toute notre force. Mais elles ne dépendent pas que de nous. Il y a les règles, les conditions, les choix qui sont voulus par le gouvernement, le Parlement, les collectivités qui y sont associées, bien entendu, au développement de l'activité économique sur nos territoires. Nous avons aussi, Philippe Mellet l'a rappelé, Marie-Christine Clairet également, mais c'est la mobilisation de tous les outils, quelle que soit l'importance qu'ils aient et l'impact qu'ils peuvent aussi avoir en termes d'efficacité. Les clauses sociales, vous en avez parlé dans les marchés publics, ce qui est fait en Côte d'Armor au Conseil général devrait être pratiqué dans la plupart des collectivités locales, des intercommunalités. Ça se développe petit à petit. C'est peu de choses, mais pour autant, on le voit sur des chantiers importants. Je pense à la rocade d'agglomération de Saint-Brieuc, n'est-ce pas, M. Brémond ? Ça a été des milliers d'heures qui ont été 5 000 heures de travail qui ont pu être mobilisées au service de l'insertion sociale et professionnelle. Et d'ailleurs, on le constate à travers notamment les allocataires et leur croissance. Là, aujourd'hui, depuis quelques années, parmi les allocataires, c'est le RSA qui a la plus forte croissance. Et d'ailleurs, je me souviens, entre 1997 et 2002, où il y avait eu 2 millions de créations d'emplois, 1 million de chômeurs de moins, eh bien, les chiffres du RMI à l'époque, puisque c'était le revenu minimum d'insertion, en termes d'allocataires, avaient diminué. Ça montre bien qu'il y a là des possibilités, car aujourd'hui, des allocataires sont très proches de l'emploi en termes de formation professionnelle. Nous le savons, lorsque tous les recours de la CEDIC, l'allocation de solidarité spécifique, on arrive au terme, il y a le seul revenu de solidarité active possible. Et là, retournement de situation, et cela retrouve de l'activité extrêmement rapidement. Il y a une autre partie non négligeable des allocataires qui sont un peu plus
éloignés de l'emploi. Moi, j'aime pas ce mot un peu technique, là, d'employabilité. Hein, ça fait un peu très technocratique et ça manque un peu d'humanité. Hein, c'est effectivement être en capacité d'avoir des possibilités de revenir dans le monde de l'emploi, d'où l'insistance à être sur le secteur de la formation continue, de la formation professionnelle avec les conseils régionaux. Et je trouve d'ailleurs qu'il faudrait qu'on renforce encore plus notre partenariat. Hein, on ne travaille pas assez ensemble sur ce sujet-là de la formation professionnelle. Il faut aller beaucoup plus loin que ce que nous avons pu réaliser et avec le financement du FSE dans le cadre de l'inclusion. Et je vois dans le texte que les départements sont bien retenus comme étant les autorités de gestion de la partie FSE concernant l'inclusion sociale. Mais en même temps, il faut qu'on se dise les choses. Malheureusement, et on ne peut pas céder aux pessimistes, il y a des hommes et des femmes qui sont très loin du monde de l'emploi et pour lesquels nous devons avoir des actions sur la santé, sur le logement, sur l'éducation, pour quelque part faire en sorte qu'on puisse avoir des hommes qui soient et des femmes debout, hein, qui retrouvent là aussi honneur et fierté et humanité dans notre société. Et ce n'est pas la partie la plus facile. Hein, et Philippe Mellet connaît bien ce secteur aussi. Parce que quelquefois, on pourrait céder à l'abandon en disant, vu les difficultés, après tout, pourquoi continuer? Et ça, moi je le dis, mes chers collègues, parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux parmi vous, le Conseil général n'y arrivera pas seul. S'il n'y a pas une mobilisation des collectivités locales, des conseils municipaux, des intercommunalités, du département, avec le milieu associatif et le milieu économique, on n'a aucune chance de s'en sortir. Et dans nos villages, dans nos collectivités, il faut qu'on travaille ensemble, y compris, on le voit, sur les personnes âgées, la solitude, etc. Et je suis sûr qu'on est capable de faire preuve d'innovation. Il y a de l'innovation sociale sur nos territoires, et ça veut dire que, c'est ce que je disais dans mon propos introductif, encore plus de travail, encore plus d'efforts, encore plus de rassemblements, hein, pour arriver là aussi à tenir cette cohésion sociale, car dans des temps extrêmement incertains, graves, comme nous les connaissons aujourd'hui, si tout cela craque, on peut craindre le pire. Hein, et on sait qui s'engouffre dans ce genre de situation. Donc à nous d'être là aussi très actifs, très mobilisés, et y compris sur le RSA Activité, qui fait partie, je veux dire, du panel des allocations possibles, hein, et d'essayer de passer, comme tu le disais, Philippe, ce barrage de la prévention, hein, et qui pourrait quelque part être considéré comme un plus dans un moment passager de difficultés sur le plan financier, économique et social, voire personnel sur ce sujet. Et on voit bien d'ailleurs que l'Assemblée, sur une délibération comme cela, toute sensibilité confondue, nous sommes unanimes pour poursuivre notre activité. Christian Provost veut conclure. Bon, donc je lui donne la parole sur cette délibération. Non, mais président, donc, effectivement, très vos propos me confortent. Je ferai plutôt une intervention, cette fois-ci, dans un champ où on m'attend moins. C'est le domaine de l'emploi. Mais ce que vous venez de dire m'amène quand même à essayer de nous faire réfléchir, je dis bien de nous faire réfléchir, parce que moi-même, je continue sur ce champ à réfléchir, de cette notion que vous avez employée d'un mot qui a perdu son humanité, l'inemployabilité. Je suis fortement agacé. Et je me suis donc plongé pour justifier, afin d'être mieux, non pas, tout au moins écouté, entendu, je ne le demande pas. La France, j'ai étudié tous les pays d'Europe, et je continue, et je vais continuer, pour voir comment ça se passait dans les pays d'Europe. Et je m'aperçois que la France, elle, a fait un choix que je considère comme mauvais. Je ne mets pas en cause la pertinence des gens qui travaillent auprès des démunis. Je ne doute pas un seul instant, j'ai travaillé moi-même, que ce sont des salariés faits d'humanité. Mais comme on est dans un système aujourd'hui fait d'inquiétude, je pense que la France a fait le choix du temps plein et d'un chômage très haut. La France est le premier pays européen, 83%
de salariés à temps plein, et encore quand on prend la population active, car si on prenait la population en âge de travailler, c'est 61%, alors, et avec un taux de chômage qui aujourd'hui dépasse les 10%. Dans d'autres pays d'Europe, il n'y a que 3% de chômeurs. Question, si vraiment des gens étaient inemployables, on ne les trouverait pas qu'en France, on les trouverait dans tous les pays d'Europe. Ça veut donc dire que le différentiel entre 12 et 3, parce que je peux vous dire que si on compte aujourd'hui les catégories A, B, C, je n'ose vous dire à combien on arrive de chômeurs. Eh bien, je crois que ces 9% de différentiel ne sont pas faits de gens inemployables, puisqu'ailleurs ils travaillent. Ça veut donc dire que le traitement politique, social qu'on a fait en France, pour moi, est une grave erreur, et qu'on continue à faire fausse route. Et c'est pour ça que dans le champ de l'économie, en réponse à une question l'autre fois aux orientations budgétaires de M. Vaspart, et en fonction également de son intervention d'hier en faisant référence à l'Allemagne, je vous expliquerai économiquement le chemin que je pense qu'il est souhaitable de prendre. Bien, merci pour cette contribution. Mais mon cher collègue, je partage une partie de votre analyse, mais en même temps, souvent on fait référence à l'Allemagne. Avec en Allemagne un cas particulier, c'est que il n'y a pas une égalité entre les femmes et les hommes comme nous en avons une dans notre pays. Enfin, où nous, c'est un objectif que nous voulons poursuivre. Vous savez qu'en Allemagne, il n'y a pas de système de garderie, d'éducation qui permet aux femmes allemandes d'avoir une vraie carrière professionnelle. Et beaucoup d'entre elles restent à la maison ou qu'il y a un problème de natalité. Donc, merci à la migration turque qui permet de financer la protection sociale des Allemands. Hein. Mais en même temps, il y a moins de chômage en Allemagne, Christian, mais il y a quand même 2 millions d'emplois à temps partiel. Si c'était voulu, choisi, il n'y a rien à dire. Mais pour beaucoup d'Allemands et d'Allemandes, le temps partiel, il est surtout subi. Donc on est dans un phénomène de petit boulot. Donc, je veux dire, nous, la position de la France est assez louable. Qu'on ait le souci par l'accès, et notamment la question du genre, de tous à l'emploi, femmes comme hommes, et qu'après, on favorise le temps partiel, tant pour les hommes que pour les femmes, parce que ça ne vaut pas que pour les femmes, hein, après tout, ça me paraît là aussi un progrès pour notre société, là, on est d'accord. Mais à partir du moment où on se réfugie dans les petits boulots parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, là, ça commence à poser question. Mais on ne va pas poursuivre parce que... J'ai bien compris, mais vous soulevez tellement de questions en même temps, et c'est bien d'ailleurs qu'au détour de ce rapport, on aurait pu avoir un débat sur ce sujet. Donc moi, je vous encourage, mon cher collègue Provost et Christian de son prénom, à poursuivre vos travaux sur la comparaison des systèmes européens. Et un jour, je vous donnerai la parole sur le sujet quand vous aurez achevé vos travaux. Voilà. Merci. Bien, sur cette délibération, il n'y a pas d'opposition. Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous en venons maintenant à la partie économique avec Monique Le Clézio, Philippe Mellet et Sylvie Bourbigaud. Problème. Alors, est-ce que vous avez un petit déroulé de la... J'ai quelque chose quelque part, moi de... Parce qu'on ne passe pas au délibérable. C'est ça, voilà. C'est ça, oui. C'est ça, d'accord. On commence par ça. Hein. Oui. C'est ça. Hein, voilà. Bien, mes chers collègues, nous avons... Je vais l'appeler. Nous avons chaque année, au moment du budget, un certain nombre de délibérations dans le cadre de nos choix et de nos compétences qui concernent l'activité économique de notre département.
sur des politiques publiques que nous conduisons, que ce soit pour l'industrie, les PME, les services, commerce, artisanat, l'agriculture, le tourisme. Mais j'ai souhaité cette année que nous ayons un débat, compte tenu de la gravité de la situation, sur la situation économique et sociale de notre département. Donc, nous allons consacrer quelques temps à cette discussion. Et puis, dans la foulée, bien entendu, on prendra les délibérations dans le cadre de ce premier débat. Alors, je vous propose, mais j'ai pas la note. C'est cette note-là ? Non. Oui, mais si on aurait pu me donner la note pour que je puisse conduire les travaux. Là, j'ai la méthode, mais j'ai pas le. Avec le timing. Tu l'as, Monique ? Parce qu'on me dit. Laurent va intervenir 10 minutes et après je prends la parole. D'accord. Donc, c'est M. Kefurus qui, au titre de la direction de Côte d'Armor Développement, bientôt fusionné avec Côte d'Armor Tourisme pour le printemps, qui va nous faire une présentation assez didactique et objective, avec des chiffres de la situation économique et sociale dans notre département. Et il y aura un propos complémentaire sur le plan politique de notre présidente de la commission, Monique Leclésio, et ensuite débat. Très bien. Alors, M. Kefurus, nous vous écoutons. Il n'y avait pas le déroulé de la... Bien, M. le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, en introduction à vos débats, il m'a été demandé de faire un point sur la situation économique de notre département. Donc, ce diaporama qui va être organisé autour de quatre thématiques. Nous avons souhaité, pour attirer l'attention de l'ensemble de l'Assemblée départementale, procéder à une dimension nouvelle dans la présentation, en essayant de mettre en évidence quelques points saillants qui touchent l'économie costa-armoricaine, en l'organisant donc autour de quatre thématiques qui mettent en évidence à la fois des éléments de conjoncture qui sont liés à l'année 2012, mais qui replacent cette conjoncture dans des tendances plus longues sur les dernières années que nous venons d'avoir. Alors, d'abord, la conjoncture, c'est d'abord des éléments que nous qualifions de négatifs par rapport à des tendances que nous observons depuis maintenant plusieurs années. Premier élément important qui aujourd'hui touche une partie significative des Costa-Armoricains, c'est bien évidemment le chômage. Alors la courbe parle d'elle-même, puisque depuis maintenant 2008, les tendances constatées au niveau du chômage sont négatives, puisque en 2008, au moment de la crise, le taux de chômage était de 6%. Aujourd'hui, nous approchons les 9%, avec donc des éléments structurants au niveau de la composition du nombre de ces chômeurs, avec notamment une progression importante du chômage auprès des seniors, en partie d'ailleurs liée à des dispositifs réglementaires qui sont liés à la mise en place des ruptures conventionnelles. Nous avons également une importance du chômage de longue durée, des plus d'un an, avec une progression de près de 17%. Et puis, des éléments conjoncturels qui font que ce chômage, dont l'évolution est bien constatée sur les courbes, a connu une accélération relativement significative depuis la fin 2011. Fin 2011, nous étions aux alentours de 8%, et là, en l'espace de quelques mois, d'un peu plus d'un an, la progression est beaucoup plus forte et elle s'accélère pour arriver aujourd'hui à près de 9%, avec des différences à l'intérieur du département, mais globalement, nous sommes sur cette tendance. On est légèrement en dessous du niveau national et à peu près au même niveau qu'au niveau régional. Donc, premier élément négatif concernant la conjoncture, c'est bien évidemment le chômage.
avec son corollaire, c'est l'emploi salarié. Alors l'emploi salarié privé, aujourd'hui, connaît également des tendances qui ne sont pas satisfaisantes. On ne va pas multiplier les chiffres, mais depuis 2008, la courbe s'est également inversée par rapport à des années passées, notamment les années 2006-2007, qui ont été des années de progression très significative de l'emploi salarié. Aujourd'hui, le recul est général dans toutes les catégories, avec quelques exceptions, mais il faut surtout noter que depuis 2007, l'emploi industriel a beaucoup fléchi, avec près de 2500 emplois industriels qui ont été supprimés. Et j'insiste sur un point, c'est notamment à l'intérieur de l'emploi industriel, une baisse moins visible parfois de l'emploi agroalimentaire, puisque depuis 2007 jusqu'à la fin de l'année 2011, c'est près de 600 emplois agroalimentaires qui ont disparu sur le territoire costa-armoricain. Troisième élément négatif dans cette conjoncture, avec des moments où il y a eu une certaine reprise, mais elle ne se confirme pas depuis maintenant un an, c'est les volumes de construction de logements neufs, où là, à travers l'évolution des permis de construire, on constate qu'il y a en effet une baisse significative des constructions, qu'il s'agisse de constructions individuelles et en particulier de constructions collectives. On sait que là, il y a un problème d'accès au financement. Il y a aussi des problématiques d'opérateurs qui sont en nombre insuffisant sur le département notamment. Et puis, quatrième élément, qui est, je dirais, la conséquence de cette tendance conjoncturelle qui est moins bonne, c'est bien évidemment l'évolution des allocataires du RSA qui ont progressé de façon très significative, puisque entre septembre 2009 et septembre 2012, c'est une évolution de près de 30%. Alors, par rapport à ces éléments de conjoncture, est-ce que cette dégradation des indicateurs trouve-t-elle un écho dans le tissu économique ? Et là, il y a des éléments qui montrent, c'est un paradoxe, que l'économie costa-armoricaine, dans cette difficulté, montre des éléments de solidité. Des éléments de solidité qu'on peut résumer à travers trois indicateurs, même si ces éléments doivent être pris avec prudence, mais elles montrent aussi que les entreprises costa-armoricaines connaissent bien leur marché, sont solidement implantées dans leur réseau d'affaires, mais qu'elles connaissent aussi des difficultés conjoncturelles. Alors, comment peut-on traduire ces éléments de solidité ? C'est d'abord le chiffre d'affaires qui continue à progresser malgré l'incertitude que nous connaissons et le manque de confiance qu'on constate au gré des contacts que nous avons avec les entreprises. Il y a un deuxième élément qui touche à l'investissement, puisque sur la période des 9 derniers mois de l'année précédente, on constate là aussi que les investissements des entreprises restent bien orientés. Ça veut dire concrètement que les entreprises aujourd'hui ont été frappées par la crise de 2008, que les chefs d'entreprise ont modifié leurs relations avec les réseaux d'affaires en étant prudents, en se recentrant souvent sur leur métier, sur leur outil de production et en étant très très prudent sur les conditions dans lesquelles elles font appel à une main-d'œuvre supplémentaire, puisqu'elles connaissent assez mal l'avenir, que les carnets de commandes sont souvent très erratiques, peuvent changer d'un trimestre à l'autre, et donc s'il y a un vrai changement, une vraie modification dans la relation avec les réseaux d'affaires. Et puis, il y a quand même un élément qui reste fort, et qui est un élément structurant pour l'économie costa-armoricaine, on en parle régulièrement, c'est bien évidemment la consommation, qui reste également sur les 9 premiers mois de 2012 relativement bien orientée. Là, c'est un élément aussi de satisfaction. Elle est liée, je pense, à la consommation des costa-armoricains, mais aussi en bonne partie à beaucoup de gens qui viennent régulièrement sur le département, consommés par l'attractivité qu'a le département, notamment le rôle des personnes qui viennent régulièrement consommer sur le territoire.
Je pense en particulier aux propriétaires de résidences secondaires qui ont un pouvoir d'achat et qui font travailler une économie locale de proximité. Alors, dans ces périodes de crise, on a souvent tendance à aller à la morosité et le contexte incertain laisse à penser que beaucoup de choses se dégradent, beaucoup de choses vont mal. Pour autant, il y a, c'est ce qu'on a appelé les idées fausses, quelques éléments sur lesquels il y a des points d'appui intéressants. Il y a bien évidemment cette balance commerciale du commerce extérieur qui reste toujours bien orientée, avec une place significative, en effet, pour l'agroalimentaire, qui représente près de 50% de la valeur globale, avec sans doute un effet prix, mais il y a quand même, de ce point de vue-là, des éléments rassurants concernant cette activité qui montre que le département continue à être, je dirais, attractif et compétitif. Il y a les créations d'entreprises, avec certes des évolutions qui sont moins intéressantes qu'il y a 5-6 ans, avec notamment le phénomène d'auto-entrepreneur qui vient un peu modifier l'approche statistique, mais qui montre que derrière cette capacité à créer, il demeure des activités intéressantes et le niveau de création, notamment des sociétés, reste d'un bon niveau. On est aux alentours de 1500 créations d'entreprises par an, ce qui reste raisonnable, sans doute largement inférieur aux années 2000, où on était proche justement de 2000 créations d'entreprises par an. Là, le niveau se stabilise. Il y a eu des moments plus difficiles en 2010 et 2011, mais là, les choses reviennent à peu près à la normale. Donc, il y a des éléments aussi de confiance qui demeurent et de création donc, d'entreprises. Sur les défaillances, là aussi, on a le sentiment par moment que beaucoup de choses vont très très mal. Il y a une amélioration enregistrée en 2011 qui s'est poursuivie en 2012 avec un certain nombre d'éléments qui montrent que les entreprises en difficulté reculent, près de 23% en un an. Ce recul est beaucoup plus important qu'au niveau régional ou national. C'est une tendance, il faut la regarder telle qu'elle est avec prudence puisqu'il y est important de regarder sur plusieurs années. Mais là, on a le sentiment que côté Côte d'Armor, ces éléments de solidité dont je parlais se vérifient à travers cet indicateur de défaillance. Et puis, il y a un élément important par rapport à cette solidité, c'est le stock. Le stock d'établissements, aujourd'hui, continue à progresser, certes avec moins de vigueur que dans les années passées, mais il y a quand même, sur ce stock d'établissements, des éléments qui nous permettent de montrer que nous sommes toujours à une progression avec près de 32 000 établissements sur le territoire. Un autre indicateur qui montre qu'il y a aussi des éléments de confiance qui demeurent au niveau des crédits à l'habitat, puisque la courbe montre assez clairement les évolutions des encours au crédit de l'habitat, avec là aussi quelques éléments de prudence, puisque nous savons aussi qu'il y a le marché de l'occasion qui fonctionne de façon très significative sur le marché de l'immobilier, que l'appel à l'emprunt est plus important, il peut s'expliquer aussi par la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à autofinancer leurs projets, donc il faut aussi prendre cet indicateur avec précaution, mais il montre quand même qu'il y a de l'investissement, des projets, notamment dans le secteur de la rénovation. Donc voilà des éléments qui contrebalancent une ambiance générale qui est plutôt tourner vers une certaine morosité. Et pour conclure, je pense qu'il est important aussi d'avoir en tête quelques éléments que nous avons regroupés sous le vocable fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qui va nous permettre de faire face au contexte dans lequel nous sommes. Et nous en avons retenu un certain nombre, dont la démographie. Il n'y a pas de territoire économiquement dynamique si la démographie n'est pas en développement. Or, il est incontestable aujourd'hui que la Bretagne, bien évidemment, et dans ce cadre régional, les Côtes d'Armor, connaissent une croissance démographique qui se vérifie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec un apport de près de 50 000 habitants, une progression qui se situe dans la moyenne régionale, légèrement supérieure à la moyenne nationale. Donc ça, ce sont des éléments très importants pour le tissu
qui est composée dans le département. Notamment, on pense à l'artisanat, on pense notamment au commerce, où là, on voit bien que la démographie est un élément attractif pour continuer à développer l'activité. Les projections démographiques, qu'il faut prendre toujours avec prudence, puisque ce sont souvent des analyses qui prolongent les tendances, montrent que notre département, à l'horizon 2020, pourrait compter 620 000 habitants, et à l'horizon 2040, près de 680 000 habitants. Après les fondamentaux, c'est aussi quelques secteurs qui aujourd'hui s'ancrent très fortement dans l'économie costa-armoricaine et dans les territoires. Vous les croisez, vous les connaissez dans vos différents territoires. C'est le tourisme, bien évidemment, qui connaît aussi un certain nombre de difficultés, mais qui pèse énormément dans les investissements. 137 millions d'investissements régulièrement, avec notamment un poids significatif des résidences secondaires. Des emplois qui sont en nombre important, d'environ près de 8000 emplois sur le tourisme. L'artisanat, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que l'artisanat pèse aujourd'hui près de 20 000 salariés. Et l'intérêt de l'artisanat, c'est qu'il est homogène sur l'ensemble du territoire costa-armoricain et représente un élément important dans la dynamique qui peut être créée demain, avec notamment l'artisanat de production dans certains secteurs, notamment on peut penser à l'est du département. L'agriculture et l'agroalimentaire, bien évidemment, est un socle pour l'économie costa-armoricaine. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cet élément déterminant de cette économie productive dont on a besoin aujourd'hui. C'est près de 2 milliards d'euros de production agricole. Et puis surtout, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est près de 42% de l'emploi industriel. Et donc là, il est important de l'avoir en tête dans les débats que vous pourrez avoir demain. Dernier point, il est plus limité, mais il touche des territoires qui en ont fortement besoin. C'est la pêche, autour de la baie de Saint-Brieuc et de l'ouest du département en particulier. C'est des chiffres d'affaires très significatifs. C'est un secteur d'activité qui est relativement protégé par rapport à un contexte européen que vous connaissez et qui pèse 140 millions de chiffres d'affaires, 1000 emplois et des projets assez intéressants au droit de certains ports. Donc voilà, globalement, le paysage que l'on peut camper de cette économie costa-armoricaine, bien entendu, à grands traits. Ce travail a été réalisé de façon collective, je tenais à le préciser, avec notamment le Centre de ressources de Côte d'Armor Développement, avec également les services du Conseil général, quelques réseaux d'entrepreneurs, notamment l'UPIA, qui nous a aidés à peaufiner et à vous présenter ce premier diagnostic concernant l'économie costa-armoricaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Madame Leclésio. Merci, Président. Alors, effectivement, Laurent Kefirus vient de nous présenter des éléments qui sont extrêmement importants pour éclairer notre appréciation de l'économie du département des Côtes d'Armor et des éléments de conjoncture. Moi, je voulais simplement mettre en lumière quelques éléments majeurs qui me semblent important de rappeler, qui ressortent de la présentation qui vient d'être faite. Incontestablement, des indicateurs de vitalité et de dynamisme, malgré les difficultés que rencontrent certaines entreprises. Plusieurs éléments ont été cités. L'évolution démographique, et c'est essentiel. Le niveau des chiffres d'affaires des entreprises, qui est en progression de 2,4% et qui atteint 17 milliards d'euros, je crois que c'est important de rappeler ce chiffre, qui revient au niveau des chiffres d'affaires de 2009. La consommation des ménages, qui est le moteur de la croissance, qui, elle aussi, revient au même niveau que la consommation des ménages, qui était celle de 2009, donc le plus élevé depuis les 4 dernières années, qui atteint 451 millions d'euros de TVA collectés. Et puis enfin, un élément que je trouve important aussi de se rappeler, parce qu'on n'en a pas toujours la conscience, c'est la balance commerciale des Côtes d'Armor, qui est positive. Sur l'année 2011, 62 millions d'euros. Sur les premiers mois de l'année 2012, nous sommes à 40 millions pour les 9 premiers mois, ce qui nous laisse augurer
une balance commerciale qui sera à peu près équivalente de celle de 2011 en 2012. Pour rappel, la balance commerciale de la Bretagne et celle de la France sont déficitaires. Donc je crois que ce sont des caractéristiques qui sont importantes de rappeler. Mais, bien sûr, un élément de préoccupation qui rejoint la priorité que nous avons affichée au niveau de ce mandat, au niveau de notre collectivité départementale, c'est l'emploi, la diminution d'emplois dans l'ensemble des entreprises privées et une augmentation du chômage, notamment au cours de la dernière année, qui nous situe à 8,9% de taux de chômage, certes en dessous du niveau national, mais qui est préoccupant dans la mesure où il est en évolution significative. Alors, dans mon intervention, après avoir rappelé ces éléments majeurs, je voudrais mettre la lumière sur quatre enjeux essentiels, parce qu'ils ont un lien étroit avec la question de l'emploi que nous avons mis comme une priorité et qui est une préoccupation majeure de l'ensemble des Français et qui est affichée comme étant aussi une bataille importante à l'échelle nationale. Alors, le premier enjeu, enfin, l'ensemble de ces enjeux, ils peuvent représenter des défis, des menaces ou des opportunités pour l'économie costa-armoricaine. Alors, le premier d'entre eux, c'est le tissu économique costa-armoricain. Pour nous, un défi majeur, c'est de garder sa vitalité, de garder son dynamisme et notamment de conserver un équilibre entre l'économie productive et l'économie résidentielle. L'évolution de la population qui a été mentionnée tout à l'heure, 50 000 habitants nouveaux, le vieillissement de la population, à l'horizon 2020, à peu près 35% de la population costa-armoricaine aura 65 ans, pourrait nous conduire à un glissement vers une économie résidentielle qui soit prépondérante dans notre département. Mais je suis convaincue qu'il est indispensable de préserver la production de richesses, que la seule redistribution des richesses ne nous permettra pas de conserver à long terme notre dynamique économique. Et pour cela, il est important que dans les schémas de cohérence territoriale, sur chacun des territoires, on réfléchisse à la place de l'espace qu'on va garder pour les activités productives, l'agriculture, l'artisanat, la présence et l'exploitation des entreprises industrielles. C'est un enjeu notamment sur le secteur côtier, mais aussi dans le périurbain. Et je crois que c'est important d'avoir ces éléments-là en tête. D'autres menaces pèsent sur l'économie productive. Notamment, on l'a vu tout à l'heure, c'est la baisse de l'emploi industriel sur la seule année 2012, une diminution de 600 emplois dans l'industrie agroalimentaire qui représente plus de 40% des emplois industriels. Mais c'est aussi un élément de fragilité, de menace, c'est le transfert des centres de décision, puisque un certain nombre d'entreprises costa-armoricaines ont leurs centres de décision hors département, voire relativement éloignés à l'échelle européenne, voire internationale. Ce sont des éléments de fragilité, et on le sait, un certain nombre d'entreprises en connaissent les effets douloureux. Je pense à Chafoto et Maury, je pense à Alcatel-Lucent, et nous sommes dans ces contextes-là. Mais il y a également des exemples positifs avec l'entreprise Lizzy, qui a décidé de s'implanter en Côte d'Armor, et je crois que c'est important, mais aussi des inquiétudes sur un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont des capitaux qui sont des capitaux européens, pour lesquels on peut avoir des interrogations sur beaucoup de bassins d'emploi, celui de Saint-Brieuc, mais aussi d'autres bassins du centre-Bretagne. Alors, pour anticiper sur ces risques, nous avons décidé de mettre en place, avec un certain nombre de collaborations, chambres de commerce et d'industrie, avec l'ADIT, avec Zoopôle de développement, une mission spécifique sur les mutations économiques qui a permis de rencontrer par l'ensemble de ces quatre partenaires une soixantaine d'entreprises dans les Côtes d'Armor. L'objectif, c'est quoi? C'est anticiper, c'est détecter les difficultés, mais aussi détecter les possibilités de développement par la diversification, par l'innovation. C'est aussi de détecter les moments où les transferts et les restructurations
vont se dérouler de façon à pouvoir effectivement mobiliser le tissu économique, mais aussi mobiliser les accompagnements pour faire en sorte que nous puissions effectivement être très présents et éviter un certain nombre de difficultés. Alors, nous avons des engagements avec nos dispositifs. Et je pense notamment, j'ai parlé d'innovation, j'ai parlé de diversification économique qui sont essentielles pour la compétitivité des entreprises. Nous avons mis en place dans nos politiques économiques des dispositifs pour accompagner l'innovation, pour accompagner le développement. Je crois que c'est essentiel de le rappeler. Pour autant, il nous faut trouver des relais de croissance. On l'a vu, des difficultés, il faut pouvoir trouver ces relais de croissance. Le travail engagé sur la diversification économique avec un certain nombre de partenaires que j'ai déjà cités, mais d'autres, la Chambre d'agriculture, la Chambre de métiers, va nous permettre de relever un certain nombre de défis et de trouver des opportunités nouvelles. Je pense notamment à la question des énergies nouvelles avec le projet d'éolien offshore, qui est un projet important où les entreprises vont pouvoir trouver des possibilités de sous-traitance dans la construction, mais aussi sur la maintenance. Mais c'est aussi la valorisation de la biomasse sur laquelle, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, il y a un travail qui est engagé, qui est important et qui sera porteur, nous l'espérons, de développement et de création d'entreprises. L'économie des seniors, c'est important. Trois thèmes sont en cours de mobilisation d'entreprises et de réflexion. L'habitat, l'adaptation de l'habitat, l'utilisation des technologies de la communication au service de la sécurité, au service de la surveillance médicale, mais aussi au service de l'autonomie des personnes dans leur quotidien. Et enfin, une quatrième thématique essentielle, c'est celle de l'alimentation. Alors, si ces filières sont de véritables opportunités, elles ne remplaceront pas les piliers de l'économie qui sont les socles de notre économie, les industries agroalimentaires, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, le commerce, la métallurgie et les télécommunications. Mais l'ensemble de ces secteurs auront un défi important à relever, c'est celui de la transmission reprise. On le sait, c'est vrai dans l'artisanat, 9 000 entreprises, pratiquement 20 000 salariés, plus de 25% des chefs d'entreprise ont dépassé les 55 ans. Donc c'est un véritable défi, mais c'est un défi aussi pour le tourisme, la reprise d'un certain nombre d'établissements, c'est un défi pour un certain nombre de PME et de PMI. Et je crois que c'est important de rappeler que nous avons des engagements dans ce sens avec à la fois le soutien d'un certain nombre de partenaires, chambres de métiers, chambres de commerce, chambres d'agriculture, pour accompagner ces transmissions reprises, mais aussi des dispositifs, Préarmor, le FIDAC et Auratel, qui font partie de la panoplie des outils de nos politiques économiques. Alors je voudrais faire un zoom particulier sur l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont 20 000 emplois dans le département des Côtes d'Armor, si on ne compte pas les coopératives. Avec les coopératives, c'est 27 000 emplois dans le département des Côtes d'Armor. Des défis à relever dans l'économie sociale, c'est le maintien des emplois. Il y a eu une perte d'emplois au cours des deux dernières années. Des menaces, c'est le financement du milieu associatif qui relève de financement public. Et on le sait, les budgets des collectivités locales sont aujourd'hui serrés. Il y a des choix qui sont réalisés. Donc c'est une menace, la capacité à pouvoir continuer à apporter des soutiens au milieu associatif. C'est aussi le pouvoir d'achat des ménages qui est en réduction et qui peut avoir un impact significatif sur le recours à l'économie sociale qui apporte un certain nombre de services à ces ménages. Autre menace, c'est la taille modeste, la professionnalisation qui est très inégale dans les différentes entreprises ou structures, établissements de l'économie sociale et la concurrence, puisqu'un certain nombre d'appels d'offres lancés par les collectivités locales mettent en concurrence le milieu associatif avec le milieu des entreprises privées. Je voudrais quand même souligner des opportunités. La crise qui montre que nous sommes dans une évolution sociétale montre qu'un certain nombre de citoyens
sont extrêmement attachés aux liens humains, et on le voit notamment au travers des travaux que nous avons faits sur la ruralité, ce qui montre qu'il y a des opportunités pour l'économie sociale, dans la mesure où les questions de rapprochement entre les services apportés et les citoyens, entre la consommation de produits alimentaires et les producteurs, sont des véritables opportunités pour l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous savons que nos engagements, ce sont des compétences sociales qui soutiennent l'économie sociale, mais ce sont aussi des engagements pour soutenir l'économie sociale, et on y reviendra dans le rapport spécifique sur l'économie sociale et solidaire. Je voudrais mettre en lumière un deuxième enjeu, c'est celui de l'économie agricole. Deux points particuliers que je voulais soulever, c'est d'une part celui de l'avenir de la filière avicole, ça a tout à l'heure été évoqué par Angers Locaux. C'est bien sûr un défi du maintien de cette filière performante à tous les maillons de cette filière, de l'aval vers de l'amont pardon jusqu'à l'aval, parce que cette filière a un impact très significatif dans l'emploi dans notre département. Vous le savez, nous avons de nombreux outils de transformation dans la filière avicole sur l'ensemble des territoires costa-armoricains et notamment sur les secteurs ruraux du sud particulièrement de nos territoires. Alors sur cette filière, des opportunités, c'est notamment l'augmentation de la consommation de volailles à l'échelle internationale, mais de nombreuses menaces. C'est à la fois l'importation de 40% de la consommation de viande française de volailles qui est une menace avec une concurrence drastique par un certain nombre de pays européens, voire au-delà de l'Europe, qui trouvent en France leur débouché. C'est bien sûr un parc de bâtiments qui est âgé. La difficulté rencontrée par l'entreprise Doux et notamment la filière export et les produits élaborés qui, effectivement, ont des répercussions de ces difficultés de cette filière. Et bien sûr, tout à l'heure, cela a été évoqué, la diminution dès maintenant des restitutions et la fin programmée des restitutions dès la fin de l'année 2013. Alors, quels sont les défis ? C'est d'une part de réussir le travail qui est engagé à l'échelle régionale au sein de la conférence avicole, qui doit définir des actions collaboratives entre l'ensemble des acteurs de la filière et qui met en place une instance de gouvernance de façon à ce qu'il y ait une coordination du programme d'action qui va être construit. Dès mars prochain, le gouvernement s'est engagé à valider un programme d'action. Nous y sommes associés et à partir de ce moment-là, des discussions seront engagées entre l'État, la région et les collectivités départementales pour définir notre place dans ce programme d'action. Il sera indispensable de convaincre l'Union européenne, même si les restitutions ne sont pas maintenues, de continuer à accompagner sur une stratégie qui sera tournée vers la qualité, vers l'innovation, vers la recherche et la formation. C'est un véritable défi parce que nous avons des atouts dans ce département. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des opportunités. C'est à la fois le haut niveau sanitaire de nos produits, c'est la technicité, la densité de nos éleveurs, leur savoir-faire, mais c'est aussi notre capacité d'évolution. On sait les Bretons capables d'évoluer. Ils l'ont déjà fait par le passé. C'est un engagement à faire de modifier les orientations entre l'export et le poulet lourd, où il y a un certain nombre d'opportunités qui sont présentes. Mais il sera important aussi de défendre une harmonisation sociale, environnementale et fiscale au sein de l'Union européenne, parce que c'est le gage de la réussite. Et nous nous sommes déjà engagés là-dessus. Nous l'avons fait remonter à Bruxelles, mais il faut que nous continuions sur cet engagement. Deuxième élément que je voulais mettre en lumière sur la filière agricole, cela a été aussi évoqué par Angers Locaux ce matin, c'est la question du coût des matières premières.
et notamment celui des céréales. Menace importante sur les filières d'élevage en Bretagne, la tendance pourrait être à transformer la Bretagne en un territoire de culture céréalière, légumes peut-être, mais surtout céréalière. C'est un vrai risque sur les filières qui sont implantées sur nos territoires, aviculture et production porcine. Et je vous rappelle ce qui a été évoqué tout à l'heure par Laurent Kefurus, 40% de l'emploi industriel en Bretagne et en Côte d'Armor, c'est un emploi qui est lié à la transformation des produits agricoles dans notre département et en Bretagne. Donc c'est un risque fort, un risque qui peut être renforcé par la nouvelle orientation de la politique agricole commune qui propose une convergence des aides, quelles que soient les productions, avec notamment un impact qui peut être très fort sur l'élevage dès lors qu'il n'y aurait pas une prise en compte des revendications et des engagements, enfin des sollicitations qui ont été faites par les collectivités locales, régionales et départementales, de sorte qu'il y ait des bonus apportés à l'élevage dans le cadre de la future PAC. Alors, pour autant, nous avons des atouts. C'est à la fois le niveau de formation des agriculteurs, la technicité, comme je l'expliquais, mais aussi un climat qui est favorable pour ni trop chaud ni trop froid, avec une présence de l'eau qui est indispensable pour que les productions puissent perdurer. Et vous le savez, nous sommes engagés aussi sur cette question de l'agriculture. Je crois que c'est important de le rappeler. Troisième enjeu que je voulais mettre en lumière, c'est celui de la production de logements qui a été évoqué, mais aussi celle de la réduction de la consommation énergétique dans le logement. Ce sont à la fois, on l'a vu tout à l'heure, des menaces sur la production de logements, notamment du fait de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Pour autant, on a vu, le niveau d'emprunt est très élevé, ce qui nous laisse espérer qu'il y ait malgré tout de la réhabilitation et donc des marchés pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui soit significatif, puisqu'on l'a vu, une baisse importante. La menace, c'est bien sûr la prudence des investisseurs, parce que l'accès à l'emprunt n'est pas toujours simple, et pour autant, il y a quand même une vraie chance, c'est celle des taux d'intérêt qui sont bas, qui présentent des vraies opportunités. Je pense qu'il est important que nous relevions le fait que le défi qui nous attend pour les années à venir, et c'est une chance pour les entreprises, c'est la nécessité de réhabiliter 100 000 logements en Côte d'Armor qui ont été construits avant 1975. Parce que ce sont des logements qui nécessitent, pour concilier économie d'énergie et réduction des charges pour les ménages, de faire des travaux, une vraie opportunité pour les entreprises du bâtiment, pour les artisans qui aujourd'hui se forment, qui innovent et qui ont notamment pris l'initiative de créer le Bâtipôle. En ce qui nous concerne, collectivité départementale, nous avons affiché cette volonté dans le plan climat-énergie. Nous avons l'ambition de sensibiliser tous les acteurs sur la question de l'économie d'énergie, mais nous avons aussi des dispositifs. On le verra dans le cadre du rapport sur le logement pour accompagner les ménages modestes dans l'atteinte de ces objectifs. Mais il y a aussi un certain nombre de partenaires que sont les organismes qui produisent du logement social qui sont engagés dans cet enjeu qui est un enjeu essentiel pour notre département. Quatrième enjeu que je souhaitais mettre en lumière, c'est celui des infrastructures qui vont compter pour l'avenir de l'économie et des filières dans notre département. Trois projets importants, l'engagement collectif dans l'investissement dans le projet Bretagne à grande vitesse, de façon à rapprocher nos territoires de la Bretagne, le projet éolien offshore, qui est un projet important pour le département,
et le déploiement du très haut débit. Quels sont les défis que nous devons relever? C'est à la fois anticiper pour l'arrivée de la ligne à grande vitesse, développer l'intermodalité, développer des quartiers nouveaux à proximité des gares, et je crois que nous avons des opportunités extraordinaires. Sur le projet éolien, quel est le défi? C'est de mobiliser les entreprises, ce qui a été démarré en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, le Conseil général et Côte d'Armor Développement. Les entreprises sont aujourd'hui nombreuses à avoir senti l'opportunité qui était là. Elles sont en lien avec les donneurs d'ordre. Nous espérons qu'elles soient retenues dans la mesure où c'est vraiment un enjeu pour l'avenir du moyen et du long terme. Et en ce qui concerne le haut débit, un engagement fort, très haut débit, marqué, un engagement fort, collectivement, collectivités locales, départements, régions, États, avec des mobilisations de fonds européens, eh bien, c'est effectivement que les entreprises prennent le virage, anticipent pour se rapprocher de leurs clients et de leurs donneurs d'ordre, mais c'est aussi, nous l'espérons, la possibilité d'installation d'entreprises, puisque par le très haut débit, certaines entreprises, j'en suis persuadée, feront le choix de l'implantation en Côte d'Armor, puisque la qualité de vie et les 50 000 habitants qui sont venus nous rejoindre le montrent, est une qualité de vie qui est partagée. Alors, pour conclure, je voudrais tout simplement indiquer que, comme Laurent l'avait indiqué tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir dans ce département une économie qui est relativement solide avec les fondamentaux. Des entreprises qui, certes, subissent les aléas de la crise, mais sans doute moins que dans d'autres régions, parce qu'à la fois nous avons des TPE et des petites et des moyennes entreprises qui sont peut-être moins soumises aux aléas de la crise, même si nous savons qu'il y a des difficultés. Mais ce sont aussi des entreprises qui ont des projets. Et les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés à la fin de l'année 2012 nous ont indiqué qu'elles avaient des projets d'investissement, qu'elles avaient des projets de recrutement, même si elles réfléchissent significativement avant de s'engager dans le recrutement. Mais je crois que c'est important d'indiquer qu'elles sont aussi porteuses d'emplois. Enfin, je voudrais tout simplement dire que ces quatre enjeux que j'ai pu identifier, mettre en lumière, ils pourront être complétés par tous ceux que vous mettrez aussi en lumière, parce que ce ne sont sans doute pas les seuls. J'ai fait des choix. Et pour nous, c'était important, et pour moi, c'était important de donner cet éclairage, parce que ces menaces, ces opportunités et ces défis à relever, nous pourrons les relever que si nous savons travailler collectivement. Je crois que c'est ce que Côte d'Armor 2020 nous avait aussi montré, la volonté collective à l'échelle de l'ensemble des acteurs du département de travailler ensemble pour relever ces défis qui seront porteurs pour le court terme, mais surtout pour le moyen terme. Et je crois que c'est important que nous nous projetions aussi dans ce moyen terme. Et nous les releverons, ces défis, que si nous savons travailler ensemble. Merci, Madame Leclésio. Bien, mes chers collègues, le débat que nous allons avoir est un débat sans vote. Donc, c'est un échange de points de vue sur la situation économique à partir des deux rapports qui nous ont été présentés. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Il est 11h52. Nous avons une bonne heure pour débattre sur la situation économique et sociale de notre département et que vous fassiez entendre chacune et chacun d'entre vous votre point de vue sur ce sujet. Après viendront, bien entendu, les délibérations sur lesquelles vous serez amenés à vous exprimer et à voter. Voilà, quatre inscrits déjà. Christian Provost, d'abord. Oui, Monsieur le Président.
merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être assez concis, même si j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Effectivement, je comprends combien le citoyen, alors ce coup-ci je vais dire citoyen lambda, voilà, pose parfois des questions sur la durée du temps de travail, et je peux vous dire combien c'est complexe pour lui d'entendre parfois des gens parler d'augmentation du temps de travail. Je prends l'exemple de Renault aujourd'hui. On va diminuer de 5 700 personnes et on va demander à ceux qui restent de travailler plus. C'est pour ça que je faisais référence à M. Vaspart, qui, souvent dans ses propos, et tout au moins dans le gouvernement qu'il soutenait avant, nous parlait souvent de cette augmentation du temps de travail. Alors, j'entendais tout de suite la vice-présidente Monique Le Clézio nous dire, en analysant l'économie costa-ricaine, qu'il y avait une grande urgence, effectivement, à faire en sorte que l'Europe arrive à trouver une meilleure clé de positionnement sur la fiscalité et sur les données sociales, et sur l'action sociale que nous devons, la politique sociale de l'Europe et de la politique fiscale. On voit où nous a mené aujourd'hui la politique économique débridée. Alors quelqu'un tout à l'heure parmi vous m'a fait sourire en venant me dire « Christian Provost, t'as vu ce que t'as dit ? Mais tu deviens libéral. » Attendez. Et le président, à travers ce qu'il a repris de mes propos tout à l'heure, aurait pu laisser croire effectivement que j'allais être un adepte d'un certain système, au contraire que je vais condamner le système allemand, parce que M. Vaspart également avait fait une comparaison, non seulement aux 35 heures, mais au système allemand, hier. Donc, moi, je vous dirais que j'ai observé, j'ai creusé la question, parce que, effectivement, dire comme ça, faut augmenter les heures travaillées, ou au contraire, il faut les diminuer, je considère que c'est quelque chose de complexe, qui s'inscrit dans d'autres paramètres. Je vais les citer. Hier soir, j'ai eu la chance de rentrer pas trop tard, et peut-être que certains d'entre vous ont pu voir une émission intéressante sur le monde de demain. Et moi, le monde de demain, il m'interpelle, peut-être plus trop pour moi, mais en particulier quand même pour mes enfants et mes petits-enfants. Et je crois qu'effectivement, nous devrons agir sur cette question, effectivement, de la réindustrialisation. Nous devons réfléchir sur une question, mais là, c'est un autre secteur sur lequel je commence à regarder de plus près, sur lequel j'écoute avec attention toujours notre collègue Christian Couaille, lorsqu'il nous parlait, et j'entendais le ministre des Finances également, parler du taux de change de l'euro, parce que je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, difficile également à comprendre, le taux de change, et également, je pense que la qualité des produits de fabrication qui, dans le cadre d'une certaine innovation, permet de nous maintenir en haut de l'échelle, et je pense aujourd'hui à l'économie, à l'industrie SEB, la marque française qui aujourd'hui fait des bénéfices dans le cadre vraiment d'une restructuration. Le mot qui dit restructuration ne dit pas forcément rationalisation, intéressant. Bon, qu'est-ce que je vais dire ? C'est que en 30 ans, moi j'ai observé que la productivité a augmenté de presque 3, passant de 600 milliards à presque 1800 milliards aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dans le même temps ? C'est que cette productivité, j'ai vu que la part salariale a diminué de 63% à 53%, et que la part des actionnaires a augmenté de 150%. Et hier, j'étais content, ce n'est pas Christian Provost qui le disait, c'était Gallois, c'était Schweitzer hier soir, qui tenait ce discours aujourd'hui, qui me semble être un discours, comment dirais-je, sain. Deuxième chose, dans le même temps, pour que ça fonctionne, ce système-là, alors que les heures travaillées ont diminué, 43 milliards d'heures travaillées, on est passé aujourd'hui à 40 milliards. Diminution des heures travaillées. Et dans le même temps, alors là, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ces heures travaillées entre le temps complet et le temps partiel, parce que là, on pourrait arriver effectivement à des analyses, comme celles que vous avez cru comprendre en moi tout à l'heure, qu'en réajustant la part entre le temps complet et le temps partiel, eh bien, c'est vrai qu'on peut solutionner très très vite, comment dirais-je, une part du chômage. Mais j'y reviendrai.
parce que suivant que l'on calcule en plus entre le temps complet de la population active ou en âge de travailler, parce que la France également a fait un autre choix que vous m'entendez parfois contester, c'est cette massification de l'enseignement qui a amené tellement de jeunes à Bac plus 5, et pendant ce temps-là, ils sont à l'école, ils ne sont pas comptés dans les chiffres du chômage, ou tout à l'heure ce que j'ai dit sur, effectivement, la population aidée. Donc je crois que ces éléments-là, productivité et le chômage en même temps, de 300 000 à plus de 3 millions, et plus de 3 millions si je ne compte que la catégorie 1. Après, j'ai regardé combien coûtait un chômeur. Un chômeur coûte aujourd'hui en direct à la société française 18 000 euros. En emploi indirect, qui est de 1,8, 54 000 euros. Donc je me suis dit, en mettant un peu toutes ces équations-là, en les rééquationnant, si je peux dire, comment pouvons-nous changer peut-être alors ? Ce n'est pas, bien entendu, comme le système allemand auquel on a souvent entendu parler, auquel j'ai pu croire à un instant, qui a permis effectivement de diminuer, et avec les effets induits, en Allemagne, 20% malheureusement des gens qui sont à temps partiel sont en dessous du SMIC français. 20%. Alors quand on découvre ça, arrêtons de nous parler du système allemand, c'est-à-dire qu'en Allemagne, un travailleur sur cinq est payé moins cher qu'un travailleur français. Et bien sûr, ce qu'a dit le président également tout de suite, c'est au détriment du genre. Ce sont les femmes qui tout de suite sont mises à temps partiel. Quand on ne les remet pas, comme dans les pays du Sud, à la maison, à s'occuper des enfants. Je pense ici aux pays, en particulier du Sud de l'Italie. On a pu aussi croire que la cause en est la mondialisation. Démonstration encore faite hier soir dans l'émission. Cette émission est tombée à point, mais j'avais donc les chiffres avant, ça n'a fait que les renforcer. Aujourd'hui, ce n'est pas la mondialisation, même s'il faut contrecarrer ses effets et jouer certainement sur les taux de change, sur des effets de douane, sans tomber bêtement dans une sorte de protectionnisme aigu, parce qu'il faut bien se dire que si on n'achète pas aux autres, je ne sais pas comment on vendra nos Airbus et tout ce qui s'ensuit. Donc, la productivité est bien la cause à deux tiers du fait qu'aujourd'hui, et je trouve que c'est bien, l'autre jour je vous disais, j'ai vu un robot au lycée Pierre Le Dantec, soutenu d'ailleurs par le Conseil général des Côtes d'Armor, qui bientôt va découper un porc sans qu'on ait besoin de mettre des salariés à la Coperne ou à Kerméné en train d'user leurs muscles et qui aujourd'hui vont être en arrêt de travail. Je pense que ces métiers ingrats, il est grand temps aujourd'hui, et c'est comme ça que moi j'œuvre depuis 40 ans, c'est de considérer que la productivité doit être au service du temps louis, du temps libre, du temps partagé des personnes pour ne pas, comment dirais-je, s'user au travail. Donc, quelle possibilité ? Eh bien, il en reste une. C'est que quand j'ai fait les divisions des heures travaillées à travers la population active qui a encore augmenté en France et qui risque d'augmenter puisqu'on est un pays à forte natalité, si ça continue, je pense que c'est un risque qu'il y a, contrecarré par le fait qu'on part plus vite en retraite et qu'on reste plus longtemps à l'école. Donc, la proposition que moi je fais, sur laquelle je vous amène à réfléchir, et il y a des gens beaucoup plus éminents que Christian Provost qui parlent de ça, mais je m'en suis nourri depuis fort longtemps, c'est bien sûr Pierre Laroutourou, et même aujourd'hui repris par Rocard. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arriver, car quand on fait le partage, la division, on arrive à 30,1 heures de travail. Et bien je crois qu'aujourd'hui, moi je préconise, et ce qui permettrait 32 heures par semaine, et là j'ajoute, en laissant les partenaires sociaux définir les clés de RTT et les clés de financement, parce que vous allez me dire la question, déjà certains d'entre vous tout à l'heure m'ont demandé, Christian Provost, comment cela peut-il être financé ? Eh bien entendu, vous ne serez pas étonné que je vous dise qu'il faut d'abord prendre l'argent aux actionnaires. Il faut refaire en sorte que l'on repasse, et hier soir c'était encore démontré pour ceux qui ont vu l'émission par des superbes graphiques, qu'effectivement, il faut redonner aux travailleurs une juste part de la productivité. Parce qu'aujourd'hui, on ira tous autrement dans le mur. Et bien entendu, je suis de ces gens qui pensent, mais sur lesquels je réfléchis aujourd'hui sans en être certain, repris par Rocard, je pense qu'effectivement, à placer dans la notion du contrat de génération, et j'en arrive à la fin de mon propos, on rentre progressivement de 18 à 25 ans par un contrat d'apprenant en alternance salarié, fiscalisé, je reviendrai sur la politique jeunesse, défamilialisé, qu'on puisse enfin être autonome et indépendant, comme nous, notre génération, comme moi je l'ai été à 20 ans,
hein, gagnant ma vie, comment dirais-je, et pouvant avoir une prospective et des perspectives d'avenir. Eh bien, je crois qu'effectivement, si nous descendons à 32 heures, dans une temporalité qui restera à définir, je dirais bien dans le cadre des partenaires sociaux, en pensant qu'il suffirait de prendre de l'argent, effectivement, au gain de productivité, effectivement, au capital, même si aujourd'hui, je suis en réflexion dans ce cadre de 32 heures, dans une société où il y aurait plus de liens, moins de biens, une semaine de 4 heures, voilà pourquoi, une semaine de 4 jours, pardon, où je défends justement le mercredi à la maison, mais non pas pour les femmes, pour les hommes et les femmes, pour être auprès des enfants. Je pense qu'effectivement, dans ce temps partagé, ce temps du loisir, ce temps de vie, nous aurons une société qui se réconciliera et qui fera en sorte que chacun puisse y trouver sa place. Donc, c'est dans ce rapport qui reste encore peut-être à affiner de ma part sur les coûts et sur l'allongement de la durée du travail, travailler moins dans la semaine, peut-être un peu plus longtemps, plus lissé, qui permettra aux seniors de partir en dégressivité progressive et aux jeunes de monter progressivement. Voilà la société, monsieur Gaspard Vaspard, à laquelle je souscris pleinement. Arrêtez de nous demander de travailler plus pour gagner plus, car ce pari-là, ça met des milliers de gens au chômage et ça nous a fait, peut-être à gauche, je finis là-dessus, perdre parfois le sens de notre action en faisant une mauvaise charité avec toutes ces politiques sociales qui nous conduisent, et j'en parlais avec quelqu'un donc, qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, tout à l'heure, de ça. Donc je pense que c'est toute cette refondation de la société sur laquelle, ce qu'il me restera de temps de combat politique à faire, que je veux inscrire aujourd'hui mes propos et mon combat, car je crois que c'est la seule solution qui nous permettra, comment dirais-je, de sortir dans la crise terrible dans laquelle nous nous trouvons. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'irai encore plus loin que Christian. Je vais vous parler des poulets. Je dirais que les éleveurs de poulets, aujourd'hui, peuvent partir en vacances. Ça leur coûtera moins cher que de continuer à travailler. Donc, Christian, c'est encore moins de 32 heures. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils ne travaillent pas du tout et ils perdront moins d'argent. Je les ai rencontrés la semaine dernière, une partie d'entre eux. J'avais reçu le double d'un courrier qui avait été envoyé par le groupe Doux à un éleveur de ma commune qui a vu la chance, l'honneur et l'avantage d'avoir le ministre qui était ministre de la Défense qui était passé le voir il y a quelques mois. La situation n'avait pas évolué puisque ça s'est empiré. Mais je crois que je voudrais dénoncer aujourd'hui ce qui se passe dans l'aviculture export. Comme je vous dis, il faudrait qu'ils ne travaillent plus, c'est-à-dire qu'ils ne produisent plus, puisqu'on les pousse à bout, mais vraiment à bout. Ils sont en contrat d'intégration. J'y ai été aussi. Je suis éleveur de votre boucherie, j'ai passé une dizaine d'années en intégration, donc je sais ce que c'est. C'est de l'esclavage. Les contrats, ça n'existe pas. On vous impose ce qu'ils veulent. Donc la seule solution pour eux aujourd'hui, c'est de ne plus travailler. Et ils perdront moins. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, les restitutions baissent. En partie. Monique nous a fait exposer. Mais ça ne justifie pas tout. Lorsqu'on a un contrat avec quelqu'un, normalement, on discute. On ne lui impose pas son point de vue. Et ici, chez Doux, on leur impose 40 euros de moins. Chez Tilly, c'est un peu différent. C'est 50 euros de baisse, mais c'est par l'intermédiaire de différentes coopératives qui ont fait un peu de bénéfices par le passé et qui peuvent peut-être être moins directes avec les producteurs. Parce que 40 ou 50 euros, le revenu d'un producteur export, c'est 10 euros environ du mètre carré. Vous lui enlevez 50 euros, à raison de 260 kilos au mètre carré, vous voyez qu'il perd de l'argent. Aujourd'hui, s'il continue à produire. Donc la seule solution pour lui, c'est de ne pas charger. Et s'il ne charge pas, il n'y a pas de travail derrière. Qu'est-ce qu'on fait des usines? Qu'est-ce qu'on fait de tout le reste?
Mais je crois que moi, aujourd'hui, ce que je voudrais dénoncer, c'est la façon dont ils procèdent. C'est surtout cette façon-là qui est complètement indécente. Nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013. Ce qui se passe dans la filière est très, très dangereux. Je les avais déjà rencontrés dans ma commune avec le ministre de la Défense. Je me suis aperçu que chez nous, les éleveurs ne se connaissent pas entre eux. Ils ne se connaissent même pas. Peut-être que ça, c'est différent aujourd'hui. Chez Tilly, c'est un peu différent. Il y avait des groupements. C'est un peu différent. Mais je voudrais dénoncer cette façon de faire. Alors, bien sûr, il y a des difficultés du fait de la diminution des restitutions. Mais je crois que le ministre va se bagarrer pour que ça se passe différemment, d'après ce que a dit Monique. Je crois qu'on a eu aussi un courrier avec lui. Il y a aussi ce qui se passe en Allemagne qui est très, très grave, puisque la main-d'œuvre est sous-payée là-bas par rapport à ce qu'elle est en France. Mais moi, ce que je vais dénoncer, c'est la façon de faire de ces grands groupes, qui est indécente par rapport aux éleveurs. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler de la question de l'emploi, non pas pour m'aventurer sur la question de la durée du temps de travail, je ne suis pas assez savante pour ça, mais pour vous faire part de ma conviction que je sais partager par beaucoup de collègues ici. Je pense que sur la question de l'emploi, il faut que notre collectivité, au même titre que d'autres collectivités, soit particulièrement attentive à la fois sur les entreprises ou les filières qui peuvent être source de création d'emplois à court terme ou à moyen terme sur notre territoire, et aussi être attentive, mais le président l'a soulevé tout à l'heure, sur les questions de formation, parce que la formation est aussi un outil essentiel qui peut permettre à des costa-armoricains et à des costa-armoricaines de pouvoir anticiper aussi sur la possibilité pour eux et pour elles de trouver des emplois. Je voulais parler de l'expérimentation qui se passe sur notre territoire, qui est la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, c'est un terme très technique, mais sur lesquels sont embarqués d'une manière quasi obligatoire, puisque c'est dans leur cahier des charges, les maisons de l'emploi du territoire. Pour présider celle du pays de Saint-Brieuc, je dois dire qu'il me semble que c'est une manière très pragmatique de voir ce qui se passe sur notre territoire, au plus près des entreprises, et en particulier des petites entreprises, des moyennes entreprises, mais surtout des petites entreprises et des très petites entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de possibilité d'avoir des directions ou des spécialisations en ressources humaines, mais qui pourtant, quand on y regarde de plus près, Monique l'a dit aussi dans son propos, il peut y avoir à terme des créations ou des projets de création d'entreprises, mais ces entreprises et ces chefs d'entreprise sont embarqués dans le quotidien et ils ont besoin de conseils et de conseils et puis de personnes en ingénierie pour les aider à monter soit des projets de formation, soit aussi à formuler leurs propositions de création d'entreprise. Et avec ces propositions et tout ce travail de liens faits sur le territoire, je pense que nous pourrons être en capacité, avec le Conseil régional aussi, de pouvoir mettre en place des propositions de formation, soit pour des salariés qui ont besoin d'être un peu boostés sur des compétences qu'ils n'auraient pas, soit de proposer aussi à des chômeurs ou à des personnes qui ont une formation, mais pas tout à fait la formation qu'il faudrait, de pouvoir se positionner sur des créneaux qui, à terme, pourraient leur permettre de trouver des emplois. Pour ma part, j'y crois beaucoup et je suis particulièrement fière que le Conseil général se soit associé à ces expériences, parce qu'au-delà d'un terme très technique et très technocrate qui nous laisse un peu les uns et les autres parfois pantois,
On se rend compte qu'au quotidien, en allant à la rencontre des chefs d'entreprise, eh ben, cela peut marcher. Je pense que c'est un pari collectif que nous devons mener ensemble. Je vous remercie. Oui, merci, Président. Je m'inscris dans le débat. Je vais déjà répondre à Christian qui a déjà des solutions qui existent sur les parts salariales par rapport aux parts actionnariales. C'est l'ESS, bien évidemment, qui les offre, puisque dans cette mouvance-là, effectivement, une personne égale une voix. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on apporte au niveau investissement et au niveau euro, mais bien par rapport à ce que l'on vaut en tant qu'être humain. Donc, à creuser sans doute de ce côté-là, et effectivement, aller plus loin dans tout ce que tu nous as exposé. Pour aller sur ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Christine, hein, par rapport à la formation, au soutien, etc. J'irais même aussi peut-être plus loin. Comme nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises, on est en période de transition, plus qu'en période de crise, puisque c'est quelque chose qui commence à durer. Et dans cette période de transition, il me semble important que notre collectivité puisse accompagner cette transition. Je vais prendre quelques exemples par rapport à tout ce qui a été dit aussi par Monique tout à l'heure. Dans le domaine agricole notamment, on est en période de transition, si j'entends les uns et les autres, par rapport à l'élevage notamment. Non pas qu'il faille supprimer l'élevage, hein, ce n'est pas du tout le sens de mon propos, mais effectivement, on se rend compte que quelque part, on a une mutation qui se met en place par rapport aux protéines végétales. Alors, effectivement, il ne faudrait pas faire tout en culture, hein, c'est ce que tu disais, Monique, tout à l'heure, le problème n'est pas là, mais peut-être accompagner des expérimentations sur le développement de protéines végétales de façon à aller de l'amont de production vers l'aval de transformation de ces protéines végétales et permettre aussi une évolution de ce mode-là vers des choses plus stables, parce que plus local, et effectivement, quand je dis local, ça veut dire que le marché est local aussi derrière. Donc ça, c'est un exemple au niveau agricole. Au niveau du logement, effectivement, on a une baisse, je pense, des logements neufs, peut-être plus vers les logements anciens. Là, il faut qu'on se pose la question de la façon d'accompagner les rénovations, mais là, Monique aussi en a parlé. Et cet accompagnement de rénovation doit se faire dans un cadre aussi de ce qu'on appelle la haute qualité environnementale. J'ajouterais qu'il y a sans doute des nouvelles filières à faire émerger dans les écomatériaux. On se rend compte que, par exemple, en Autriche, il y a des filières de production de briques de paille qui existent et que la paille, ben, on en a. Hein, là, ça existe, il y en a qui restent sur des champs, alors peut-être pas forcément tellement chez nous, mais il y a des expériences qui sont en bosse et en brie qui le montrent. On pourrait regarder dans cette direction-là comment on peut soutenir des filières qui se montraient sur les écomatériaux. Je ne parlerai pas des énergies renouvelables, puisque là, effectivement, il y a déjà des expériences que l'on connaît, comme au Menet, par exemple, qui permettent d'envisager, là encore, l'accompagnement et le développement de filières dans ce cadre-là. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que l'on puisse mener, mais je pense que le 422, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, l'agence de développement maintenant, l'agence Armor Développement, c'est ça, s'y prépare déjà, elle le fait déjà, c'est d'avoir une veille technologique et technique forte au niveau du territoire, de tous les signaux faibles d'émergence de filières, et notamment dans ces filières locales, non délocalisables, qui nous permettent d'envisager des emplois à venir, comme l'a un peu dit aussi Christine tout à l'heure. Nous avons, je pense, quelque chose à revendiquer, c'est le droit à l'expérimentation, donc effectivement, en collaboration avec la région notamment, de pouvoir mettre en place des accompagnements dans ce cadre-là, d'expérimenter des choses, de voir si ça marche et effectivement de déployer ou non ensuite ces filières quand on en a l'opportunité. Les idées existent, les compétences existent. Il y a des exemples qui sont développés, que ce soit au Québec, en Autriche, en Allemagne,
On y revient encore. Hein. Mais dans d'autres pays, appuyons-nous sur toutes ces connaissances-là pour pouvoir faire évoluer ces filières et n'hésitons pas à les accompagner, là encore, en lien avec toutes les collectivités, tous les niveaux de collectivités, puisque c'est important, et tous les partenaires, que ce soit, je parlais de l'ESS tout à l'heure, la CRES, mais aussi toutes les chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie, d'artisanat. Il ne faut vraiment pas les oublier dans le dialogue. Merci. Oui. Monsieur le Président, j'ai vu que Christian Provost m'avait promu de conseiller général à Roy, puisqu'il m'a appelé Gaspard. Donc c'est bien, mais c'est bien Vaspard. Hein, et je reste à mon niveau de conseiller général. Je voudrais pour deux, trois choses sur les interventions. J'ai entendu Madame Bourbigot parler du droit à l'expérimentation. Je partage tout à fait cet avis, mais il faut que ça soit pour tout. Que ça ne soit pas sélectionné pour certaines choses et pas pour d'autres. Je voudrais revenir sur l'interpellation également qui a été faite, mais avant, un mot quand même sur la situation économique du département, mais ce n'est pas spécifique au département, je pense que c'est d'une façon assez générale. Je crois que les entreprises sont quand même, d'une manière assez générale, inquiètes, y compris dans le bâtiment, même si les courbes qui nous ont été montrées tout à l'heure laissent sous-entendre un certain optimisme. Je le dis parce que tous autant que nous sommes dans cette Assemblée, nous avons été saisis par la Fédération du bâtiment à plusieurs reprises sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que les carnets de commandes sont quand même très légers et ont même tendance à ne pas se remplir. Vous avez sûrement les uns et les autres rencontré des représentants de cette fédération. Alors, ça ne veut pas dire que nous, tout seuls, nous pouvons régler le problème. Il est évident que c'est un contexte national, voire international, et que nous le subissons aussi sur notre département, et nous le subirons aussi. Juste une observation. Il est dit souvent que les collectivités publiques sont les premiers investisseurs en France, notamment par rapport à l'État. Et il est vrai que nos investissements sont importants lorsqu'on les cumule sur l'ensemble du territoire national. Et ces investissements-là soutiennent l'économie, bien entendu. Et souvent, ces investissements-là sont des investissements dans le bâtiment, dans les travaux publics, qui génèrent des emplois qui ne sont pas délocalisés ou délocalisables. Alors, attention à ne pas réduire trop les investissements des collectivités publiques, car c'est une spirale infernale. Quand on diminue trop les investissements des collectivités publiques, ça a une conséquence directe sur l'emploi des entreprises qui travaillent et qui répondent sur le marché des collectivités publiques. Donc je le dis, je le répète, on a eu l'occasion de le dire sur nos bancs, attention à la réduction des investissements publics. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on a parlé, et notamment Christian Provost dans son exposé, on a parlé du temps de travail, il a parlé du temps de travail, ce que je n'aurais évidemment pas abordé s'il ne l'avait pas fait. Il a parlé également des difficultés de travail des salariés, notamment dans un certain nombre d'activités professionnelles et de travail répétitif. Et Dieu sait si nous avons cette situation-là en Bretagne, notamment avec les TMS, entre autres dans l'agroalimentaire, mais pas que. Donc ce sont des sujets qui sont des sujets particulièrement importants et qui méritent un raisonnement profond. C'est-à-dire que et pas uniquement, je ne dis pas que ça a été fait comme ça, hein, mais pas uniquement des idées un peu à l'emporte-pièce. Je pense qu'il faut y réfléchir. Pourquoi, en ce qui me concerne, j'étais défavorable à la mise en place des 35 heures ? Quelques mots. François Mitterrand avait réduit le temps de travail de 49 à 39. Il avait été prudent. Lionel Jospin, pour moi, n'a pas été prudent en réduisant de 39 à 35. Il faut se dire que quand vous diminuez le temps de travail, nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans un monde qui est relativement ouvert. Et nous sommes en concurrence avec des entreprises qui ont d'autres règles du jeu, puisque nous n'avons pas été au niveau de l'Europe capables d'harmoniser sur un plan social les situations des uns et des autres dans chacun de nos pays. Donc, dans la mesure où les frontières sont totalement ouvertes,
Nos entreprises sont forcément en concurrence, lorsqu'elles le sont, en concurrence totalement ouverte aussi avec les entreprises qui ont d'autres règles du jeu. Quand ces autres règles du jeu sont très différentes de celles que nous mettons seules en place dans notre pays, il est évident qu'il y a des conséquences. Une des conséquences de la mise en place des 35 heures, en dehors de l'augmentation du coût, puisqu'on est passé de 39 heures à 35 heures, aux mêmes conditions de salaire, et heureusement, les salaires n'ont pas été baissés, mais ça a eu deux conséquences. Une moindre augmentation des salaires, donc une moindre augmentation du pouvoir d'achat pour les salariés, et une autre conséquence, c'est qu'il a fallu faire avec quand on était chef d'entreprise, et je l'étais quand ça s'est passé. Et il a fallu que nous fassions, d'une façon ou d'une autre, des augmentations de productivité. Et si vous disiez tout à l'heure fort justement que nous avons une productivité élevée en France, c'est une des raisons. Sauf que d'augmenter la productivité d'une façon importante, quel est le risque ? C'est d'user les salariés. Voilà ce que, à mon avis, les 35 heures ont généré. Et ça, j'aimerais bien autour d'une table, paisiblement, qu'on y réfléchisse et qu'on en parle, et non pas à l'emporte-pièce. Voilà ce que je voudrais vous dire, mes chers collègues, parce que j'ai cette conviction forte. Et juste, pour le petit clin d'œil, mon cher Christian, je voudrais suggérer à notre président, qui rencontre le président Hollande fréquemment, de lui proposer une nomination. Christian Provost, ministre de l'économie et des finances et des affaires sociales. C'est l'heure des promotions. Qu'est-ce qui va m'arriver entre un roi et un futur ministre ? Que de bonnes nouvelles ce matin après le rapport. Je sais qu'il y a une presse, je ne vais pas la citer, qui depuis vendredi dernier fait en sorte d'annoncer une centaine de bonnes nouvelles pour les Côtes d'Armor. J'espère qu'elle aura puisé dans les informations qui ont été données tout à l'heure de quoi remplir les colonnes d'ici la fin de la semaine. Pardon ? La fin des temps. Je ne vais pas revenir en détail sur les éléments qui ont été déjà dits tout à l'heure, mais sur l'harmonisation sociale et fiscale. Il me semble que c'est un sujet extrêmement important sur lequel, évidemment, la seule collectivité du Conseil général ne pourra pas apporter de réponse. À minima, se mobiliser pour permettre et faire en sorte que, dans ce marché européen, les hommes et les femmes qui sont sur ce continent ne se livrent pas à une concurrence féroce. Je ne stigmatise pas là les femmes ou les hommes, qu'ils soient polonais et pas seulement plombiers. Ce sont bien les systèmes qu'il va falloir réformer. Je le vois sur mon territoire, qu'il s'agisse de l'agriculture, c'est connu. Du bâtiment, ça commence. Eh bien, nous avons un certain nombre de main-d'œuvre qui viennent d'autres pays. Et on a tordu le cou en début de séance à quelques idées reçues sur le RSA. Non, les allocataires du RSA ne sont pas des assistés. Reprenons l'intervention d'Yves Leroux sur l'attention de la collectivité qui passe chaque mois avec les services et les élus à regarder situation individuelle par situation individuelle ce qui relève de la solidarité et ce qui n'en relève pas. Eh bien, je voulais dire ici, nos enfants ne sont pas des feignants. Et si chômage il y a, si contrainte économique il y a, si difficulté il y a, je pense que cet élément d'harmonisation fiscale et sociale est un des éléments de réponse qui permettront, avec une croissance économique, eh bien, d'avoir la possibilité pour nos enfants de trouver des emplois. Enfin, sur le rapport qui a été présenté tout à l'heure, j'aimerais mettre l'éclairage sur l'ostréiculture, qui n'apparaît pas en tant que telle. Alors on ne sait pas trop si c'est de l'agriculture ou de la pêche. C'est sur mon canton, par rapport à la pêche, l'activité professionnelle qui est la plus à même d'embaucher et qui a le plus d'embauches. Donc dans notre économie turquoise, pour laquelle le monde de l'ostréiculture, et on sait qu'il traverse là aussi un certain nombre de crises, donc il va falloir de la vigilance, de l'attention sur ce périmètre-là. Mais je crois qu'il est important de le montrer, de le matérialiser et de le faire apparaître quand on fait des présentations de nos activités de ce département littoral. Enfin, sur les énergies renouvelables, c'est vrai, il y a l'éolienne. N'oubliez pas le site d'essai d'hydrolienne
à Paimpol Bréa, et voilà, Paimpol Ploubaz Bréa, pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, et là, c'est l'élu comme vous qui reçoit un certain nombre de personnes en permanence. J'aimerais dire aux chefs d'entreprise, osez. Je m'aperçois de temps en temps que sur certains sujets, nous lançons des consultations, nous collectivités ou entreprises privées, et qu'aucune réponse ne vient de notre territoire. Alors, il y a probablement des explications. Il faut creuser. Je ne veux pas jeter ça sur la table et dire, voilà, simplement question de temps, d'organisation, de compétences. Mais ça m'interpelle comme probablement ça vous interpelle. Est-ce que la mise en réseau est suffisante? Est-ce que le niveau de formation est suffisant? Est-ce qu'ils ont connaissance de ces dossiers? Mais parmi les grands enjeux qui ont été rappelés tout à l'heure par Madame la vice-présidente des futurs dossiers d'éolien offshore, etc., on pourrait s'attendre à ce que le tissu industriel puisse répondre. Mais quand je vois que parfois nous menons des opérations d'envergure sur la rénovation de nos ports et qu'il faut faire appel à des entreprises qui se situent en Loire-Atlantique, même si je sais que parfois la Loire-Atlantique s'invite dans nos débats, eh bien, je m'interroge et je voudrais passer le message ce matin aux chefs d'entreprise qui nous suivent peut-être sur Internet lors de nos débats. Osez, nous serons à vos côtés, de l'activité il y a, et nous serons là aussi vous écouter et vous épauler. Merci. Oui, merci Président. Je vais profiter de ce rapport simplement pour relayer une réunion qui a eu lieu à Plérin il n'y a pas très longtemps et certains collègues y étaient présents. Et donc c'est concernant la production de porcs. Donc à cette réunion, à l'invitation des groupements de producteurs de porcs, pour la première fois, on ne discutait pas que de prix. D'ailleurs, ce n'était pas l'objet de la réunion. C'était l'objet de la réunion était le manque de matières premières qui allait arriver, à savoir la production de porc elle-même. Et donc, si une diminution de production de porc, ça allait conduire à l'arrêt de sites de transformation, et donc leur inquiétude était très grande. Et donc, la principale cause de l'arrêt de ces sites l'arrêt de production, l'arrêt de ces sites de transformation, eh bien, ça allait conduire à une perte d'économie, perte d'emploi pour notre département, et aussi c'est toute la filière qui allait entraîner avec elle, eh bien, on en parlait à l'instant, la filière bâtiment agricole, et c'est aussi des sites comme on a sur le secteur. Je pense particulièrement à Collinet, Kerméné. Et donc je voulais ici relayer mon inquiétude d'une conséquence grave de la diminution sensible de la production de porc en Bretagne. Merci. Oui. Merci Président. Je vais poursuivre sur la filière porcine puisque nous étions un certain nombre de conseillers généraux assister à cette conférence de la Confédération des éleveurs bretons en production porcine sur l'emploi dans la filière porcine. Ce fut une réunion très intéressante qui a permis de prendre conscience des enjeux de la filière pour les années à venir et nous avons senti là l'intérêt des participants sur ce sujet qui représente un élément moteur de notre économie départementale. Les propos d'ailleurs de Monique Leclésio et de Laurent Kéfurus sur l'agriculture et l'agroalimentaire l'ont d'ailleurs rappelé. Mais au-delà de la présentation générale de la filière, une thématique a particulièrement retenu mon attention, à savoir la perte de compétitivité, c'est ce qui vient d'être dit. Mais derrière cette question de compétitivité, il y a celle du dumping social. Ce matin, nous avons beaucoup évoqué l'Allemagne dans nos propos, hier également. L'un des enjeux pour notre filière porcine aujourd'hui est bien de résister au dumping social imposé par l'Allemagne. Un récent article du Nouvel Obs évoquait les salariés de l'Europe de l'Est qui travaillent dans les abattoirs allemands.
L'article est intitulé « Les forçats de la ceinture de Grèce ». Situé en Rhénanie du Nord et en Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne. On parle là d'abattoirs à 60 000 porcs par semaine qui fonctionnent avec des salariés payés entre 3 et 5 euros de l'heure. Là est le problème. Les abattoirs allemands emploient, voire exploitent, via des prestataires de services, des personnes de l'Europe de l'Est. Rendez-vous compte que certains abattoirs du groupe Danish Crown fonctionnent avec 20% de CDI allemand et le reste, 75 à 90% de main-d'œuvre étrangère au tarif précédent. Au final, la distorsion sociale est évaluée à 5 euros par porc et cela se chiffre à 75 millions d'euros par an pour la production bretonne. Quel est aujourd'hui l'avenir de nos abattoirs, de nos ateliers de transformation, fleurons des Côtes d'Armor, hein, où nous avons 30 millions de porcs? Voilà la réalité. Voilà ceux contre qui doivent lutter nos producteurs. Il me semblait important que tous ici, nous prenions conscience de cette réalité et je ne crois pas que ce soit l'Europe que nous voulons. Merci. André Couent, Monique Améon et Yves Leroux, je vous propose que nous arrêtions là les interventions pour que Philippe Ménet et Monique Leclésio fassent un commentaire et une réponse. Et moi, je voudrais conclure également nos travaux de cette matinée. André Couent. Oui, merci, Président. Juste une petite remarque rapide. Dans ce rapport, on parle de soutien à différentes donc, structures, mais on oublie de parler donc, des emplois sociaux donc, qui sont créés aussi par le département, en particulier au niveau de l'APA, la PCH, aussi donc, les EHPAD. C'est des milliers d'emplois donc, qui sont créés, dont on ne parle pas donc, dans ce document. Il faut absolument donc, qu'on puisse donc, le mettre. Et je pense qu'il est important d'en parler, puisque ce sont aussi des emplois non délocalisables. Merci. Très bonne remarque. Monique Leclésio. Monique Caméo, excusez-moi. Oui, merci, Président. Je voudrais revenir sur le... Tout d'abord dire que j'ai été très, très impressionnée par les rapports de M. Kefurus et de Monique. Et je souscris tout à fait à ce qui était dit. Alors, chaque territoire s'est organisé en fonction de ses potentiels. Et toute l'économie s'est créée à une certaine époque autour des potentiels parce que nous n'étions pas organisés, la mobilité n'était pas organisée, il y avait beaucoup de freins. Je voudrais prendre en exemple la situation de mon territoire, hein, qui est le Menet, et autour de laquelle s'est créée une économie agricole et autour de l'agroalimentaire. Le Menet, à une époque, c'était un territoire bien, bien pauvre. Il y a des gens qui ont défriché, qui ont travaillé, qui ont créé une économie agricole. Il y a des élevages performants maintenant qui se sont développés. Des élevages industriels se sont développés aussi autour de la production du porc. Ce porc a permis à l'entreprise, à un abattoir de se développer, de créer des emplois et qui continue d'ailleurs puisque l'abattoir, l'entreprise continue à se développer régulièrement. Et on sent qu'il y a une évolution qui s'est produite. Les agriculteurs, les producteurs laitiers ont
de plus en plus de difficultés. Je ne vais pas revenir sur tous les problèmes du coût des céréales et des coûts de production, mais on sent que les agriculteurs diminuent, le nombre d'agriculteurs diminue régulièrement. Les éleveurs laitiers, tout d'abord, ont laissé, parce que ce sont des contraintes, il faut le dire, il y a des exploitations qui se sont tournées vers la production bovine dans un premier temps. Et puis maintenant, on arrive, le prix des céréales est élevé. Et maintenant, il y a des gens qui souhaiteraient faire de la production de céréales. Mais nous ne sommes pas en bourse. C'est-à-dire que sur des petites exploitations, se tourner vers une production de céréales, on arrive à des situations encore périlleuses pour la bonne raison que les revenus ne sont pas non plus à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient. Bon, ceci dit, il continue à y avoir une production qui alimente l'industrie agroalimentaire. L'entreprise souhaite recruter, et c'est là qu'arrive donc le phénomène de l'innovation. Il y a des agriculteurs qui se sont dit qu'il fallait réagir, comme il y a longtemps que ça existe dans le Menet, cette dynamique là où il y a des gens qui se disent bon, il ne faut pas se laisser abattre. Et ça continue, puisqu'il y a des agriculteurs qui ont initié aussi une dynamique autour des énergies renouvelables. Tout simplement pour... il y a eu le projet de Geotexia qui a permis à des agriculteurs, des producteurs de porc, de créer une entreprise pour pouvoir traiter le lisier les excédents, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire individuellement parce que ils n'avaient pas la possibilité financière de le faire. Bon, il y a eu la création de l'huile, de la huilerie. Il y a eu maintenant ils sont tournés vers l'énergie éolienne. On parle maintenant de comment ils sont encore plus loin là maintenant, puisqu'ils sont en train d'essayer de sortir des voitures qui vont tourner à l'hydrogène. Bon, alors ça crée une dynamique et ils sont soutenus par les élus. Des zones d'activité sont en train de se mettre en place pour accueillir des entreprises innovantes. Il y a la pépinière d'entreprise qui est au Gouret, qui est installée. Il y a déjà des entreprises qui sont installées. Une première entreprise est en train de construire un bâtiment dans la zone d'activité, et on sent que ça donne un peu de dynamisme, et il faut surtout que ce dynamisme-là continue à se développer. Mais seulement, nous avons besoin du développement du très haut débit, nous avons besoin d'avoir des personnels... des gens formés. À côté de cela, l'entreprise Kermenet est en train d'augmenter sa capacité de production, mais a besoin aussi de personnel plus qualifié. Et je pense qu'il y a des atouts qu'il ne faut pas manquer, pour la bonne raison que si localement nous n'avons pas le potentiel, les emplois à apporter, il faut qu'on incite des gens à venir chez nous, à venir de l'extérieur, ou même inciter les jeunes qui s'en vont et qui ont tendance à ne pas revenir, les inciter à revenir sur notre territoire, parce qu'on sent qu'ils peuvent trouver des emplois plus qualifiés et créer des entreprises. Donc tout ça, c'est un phénomène économique qui fraque un territoire s'il sait s'adapter aussi à l'évolution des technologies et prendre
saisir toutes les opportunités. On est capable d'avancer dans ce domaine-là. Oui, merci, Président. Je voudrais appuyer les propos d'Éric Botorel sur le thème du manque d'harmonie fiscale et sociale au niveau de notre territoire. Nous voyons fleurir depuis maintenant quelques mois des groupements d'employeurs venant de l'étranger, des pays de l'Est, et qui proposent leurs services aux différentes exploitations de cette zone à des coûts de main-d'œuvre défiant toute concurrence. Donc cela risque de mettre à mal notre main-d'œuvre locale dans la mesure où la tentation est grande de la part des exploitants agricoles, eh bien de choisir cette main-d'œuvre qui a un coût beaucoup plus bas, main-d'œuvre qui est, je dirais, entassée dans des logements, ils sont plusieurs dans ces logements, et non soumis à la réglementation du temps de travail sur notre territoire. On les voit dans les champs le samedi, le dimanche, alors que la réglementation fait qu'il y a quand même des contraintes et des lois à respecter. Donc je crois qu'il va être grand temps qu'on prenne ce problème à bras-le-corps, de manière à ce que certains foyers modestes trouvent dans certains travaux saisonniers, je pense à la récolte des cocos qui couvrent la période du mois de juin jusqu'au mois d'octobre-novembre et qui se verraient, cocos de Paimpol bien sûr, et qui se verraient privés de ces ressources qui améliorent leur quotidien. Donc, vigilance, sinon on risque d'aller vers ce que Eric et Janine ont dit, un dysfonctionnement, et vraiment prendre les ouvriers agricoles pour des moins que rien. Bien, merci. Alors, Monsieur Mellet. Bien, merci. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que dans le débat, là, il a été beaucoup question d'emploi et d'économie. Et quand on parle d'emploi et d'économie, les questions ne se règlent pas simplement avec une règle de trois. Et c'est plus une question de dynamique, et de dynamique qui est portée aussi par une confiance pour que ça marche bien. Moi, ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que ce qu'on ressent aujourd'hui dans les contacts qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise, c'est qu'il y a eu une évolution qui est assez importante ces derniers mois, où on n'est plus dans le côté on espère que les choses vont s'arranger, mais vraiment il y a une volonté d'aller de l'avant, de repartir, et qui me semble, moi, de manière très forte. Ce que je voudrais aussi souligner, ce qui me semble important, parce qu'on a vu des choses très intéressantes pour le département, des éléments qui pouvaient être positifs, je voudrais aussi souligner une chose qui est essentielle, c'est l'ancrage des entreprises dans le territoire. L'ancrage des entreprises dans le territoire, c'est vrai dans les différents domaines. On peut parler d'économie sociale et solidaire, on peut parler aussi des coopératives, notamment dans le domaine agricole, qui par définition sont bien ancrées dans le territoire, mais c'est vrai également pour beaucoup d'entreprises privées qui sont des entreprises souvent familiales ou d'origine familiale qui veulent vraiment rester sur le territoire et contribuer au développement de ce territoire. Ces entreprises dans le département, on est riche de ce type de PME et c'est une bonne chose. Dans les entreprises qui sont bien ancrées dans le territoire, il y a aussi l'artisanat. Il en a été question, c'est 30 000 emplois dans le département, 20 000 salariés, près de 10 000 entreprises. La moitié travaille dans le secteur du bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est tendu, mais je crois qu'on a une chance dans les Côtes d'Armor, c'est d'avoir un artisanat qui est bien structuré, avec une chambre des métiers qui est organisée, dynamique, performante. Performante, elle a mis en place des outils importants qui sont enviés, avec le Batipôle, le Veipôle, la Cité du Goût,
Et ce qui est important avec ces outils, c'est aussi le moyen pour les artisans d'évoluer, de s'adapter aux nouvelles demandes du marché, de s'adapter à des nouvelles technologies. Et c'est un facteur vraiment important pour notre département. Cette chambre des métiers est également performante grâce au centre de formation. Elle a deux centres de formation qui accueillent beaucoup de jeunes de toute la Bretagne. Alors là aussi, c'est un facteur de formation pour des jeunes. C'est aussi un moyen d'avoir demain des ouvriers qualifiés. Et aussi, ça favorise la reprise de ces entreprises artisanales. Alors, au travers de cet artisanat, ce qui est essentiel, c'est que c'est un emploi qui est bien sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de commune dans le département où il n'y a pas au moins un artisan. Cet aspect-là, c'est aussi du lien social, mais c'est vraiment un facteur de développement pour notre emploi sur notre département, et notamment au travers de l'emploi de production qu'on accompagne, l'emploi de production en artisanat, enfin les entreprises de l'artisanat de production, ce sont les artisans qui commercialisent et qui vendent à d'autres artisans, ce sont donc les entreprises qui ont un potentiel de développement a priori plus important. Je ne développerai pas en matière du tourisme, on aura l'occasion d'y revenir, mais je crois que c'est aussi un des secteurs sur lequel on a des marges de progrès qui sont intéressantes, avec cette particularité, c'est qu'à la fois c'est lié aux acteurs privés, mais dans ce domaine du tourisme, on a, nous, collectivités, une responsabilité importante que nous partageons, nous, Conseil Général, avec la région, mais aussi avec les collectivités locales, où on peut mettre en œuvre un certain nombre de travaux structurants, travailler à une bonne organisation pour plus d'efficacité. Et je ne voudrais pas qu'on oublie ces deux points importants, le tourisme et l'artisanat, dans l'attractivité de notre département. Et je voudrais simplement souligner l'importance de ces secteurs pour notre département. Madame Le Clézio, pour tirer les trois ou quatre grandes conclusions de cette discussion. Effectivement, après les interventions qui ont toutes été riches, qui montrent aussi la connaissance, l'implication de l'ensemble de nous tous sur chacun de nos territoires, et je crois que c'est important de le souligner, il y a quelques éléments forts qui ressortent, à la fois des préoccupations sur un certain nombre de filières qui comptent dans le département, comme j'ai pu le souligner en préambule, parce que ce sont les socles et les fondamentaux de l'économie du département, avec des éléments qui ont été indiqués, c'est-à-dire à la fois du dynamisme, de la confiance d'un certain nombre de chefs d'entreprise, mais aussi une volonté d'avancer, d'innover, pour pouvoir rester performant dans un marché qui est très concurrentiel. Donc c'est un point que moi j'ai pu identifier au travers des propos. Deuxième élément que j'ai pu retenir des interventions, c'est la question importante de l'adaptation des savoir-faire, des compétences des salariés pour qu'ils puissent trouver des solutions professionnelles réussies, que ce soit pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, que ce soit pour les personnes qui ont le besoin, le souhait d'évoluer professionnellement pour des raisons personnelles, à la fois liées à leur santé, on l'a vu, la question des conditions de travail qui pèsent dans un certain nombre de filières, mais aussi par choix personnel. Et je crois que c'est important d'avoir souligné les engagements collectifs qui sont les nôtres autour des maisons de l'emploi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la question de la formation qui est essentielle pour pouvoir anticiper les mutations. Je voulais enfin souligner les questions effectivement de formation, mais aussi de préparation psychologique, sans vouloir être euphorique, mais en tout cas un certain nombre de chefs d'entreprise qui restent confiants et qui donc ont la volonté d'anticiper des mutations et qui veulent s'inscrire pleinement dans l'innovation, dans des métiers qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais qu'ils ont la volonté d'aborder, à condition effectivement que nous sachions
collectivement, l'ensemble des structures, les accompagner, puisque cela a été évoqué aussi, pour certaines entreprises de taille plus modeste, TPE, PME, la question de l'anticipation doit être accompagnée pour pouvoir effectivement être réussie pour ceux qui l'anticipent. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les filières qui ont été évoquées. Vous avez eu vos expressions individuelles, ce qui montre qu'effectivement, les uns et les autres sont ancrés dans leur territoire. Mais je crois que c'est important de rappeler le message d'espoir qui a été donné avec un vrai volontarisme des entreprises qui montre que ce lien collaboratif que nous avons voulu nouer en Côte d'Armor entre les entreprises, les acteurs de l'économie sociale, les salariés, les structures d'accompagnement et le Conseil général et les collectivités locales, c'est dans ce sens-là que nous devons poursuivre pour pouvoir réussir. Merci, Madame Le Clézio, pour cette session sur la situation économique et sociale de notre département. À mon tour de conclure et avec des engagements et des propositions pour que ce débat soit là aussi utile à notre collectivité, mais aussi à notre département. D'abord, la présentation de Laurent Cuffurus, très exhaustive, objective, exercice difficile, et nous pouvons en avoir une lecture les uns et les autres en fonction de notre état d'esprit, positive ou plus pessimiste. Moi, j'en ai une lecture assez réaliste, et il y a effectivement un certain nombre de points de faiblesse pour notre territoire départemental, mais aussi en même temps quelques atouts. Et je voudrais en retenir quatre. D'abord, le triptyque constitué de chiffre d'affaires des entreprises, investissement mobilisé par celles-ci et la consommation montre qu'aujourd'hui, l'état de la situation de notre économie est plutôt dans un climat et un contexte de crise assez bon. On aurait pu d'ailleurs penser le pire, et cela a été confirmé lors de l'entretien que j'ai eu à la fin de l'année, le 21 décembre, je me souviens, avec le bureau de l'UPIA, que je vais chez eux, ils viennent chez nous, nous nous voyons deux fois par an. Et j'avais été surpris d'ailleurs, où les chefs d'entreprise, à part un seul, dans un secteur du loisir, étaient pas forcément pessimistes pour l'année 2013, mais avaient un bon chiffre d'affaires et un bon niveau d'activité pour l'année 2012. Alors, on verra effectivement quel sera le bilan de l'année à venir. Difficile aujourd'hui de le dresser, puisque nous sommes dans l'engagement et dans l'action. Le deuxième point, c'est si la balance du commerce extérieur de l'État français est déficitaire, ce n'est pas dû au Côte d'Armor, puisque il est fausse dans le département et grâce quelque part aux industries de l'agroalimentaire, entre autres, qui contribuent très fortement à une balance du commerce extérieur positive pour le département et peut-être pour la région Bretagne. Là aussi, ça montre bien la force économique de nos territoires bretons. Et puis, sur les défaillances d'entreprises, il y a un meilleur résultat dans le département des Côtes-d'Armor par rapport aux trois autres départements bretons et au niveau de la moyenne. Donc là aussi, nous n'avons peut-être pas des très grands groupes industriels comme dans d'autres départements bretons, mais on a, je veux dire, un tissu de petites et moyennes entreprises qui tiennent bien, avec notamment quelques poids lourds, et surtout dans le secteur de l'agroalimentaire, qui tirent là aussi, mais pas simplement que dans l'industrie de l'agroalimentaire, parce que Philippe a raison, l'artisanat, premier métier de France, comme le dit souvent le président Grisé, première entreprise de France plutôt, première entreprise de France, c'est une bonne activité dans le département, malgré les vicissitudes du bâtiment aujourd'hui, très globalement, mais voilà une activité qui se tient bien, et tout cela grâce à l'engagement, la pertinence et l'efficacité de la Chambre des métiers des Côtes d'Armor. Et puis la démographie. Il n'y aurait pas une démographie
aussi importante dans notre département depuis plus de 10 ans maintenant, si il n'y avait pas une économie qui se tenait relativement bien. D'ailleurs, à ce titre, j'ai demandé à mes collaborateurs les plus proches que nous ayons une réflexion très précise sur les raisons de cette évolution démographique. Il faut qu'on se remette au travail, y compris sur qui nous rejoint, quelle catégorie d'âge, quel niveau professionnel, d'où viennent-ils de la France entière, etc. Il faut qu'on comprenne bien un petit peu ces phénomènes d'évolution, parce que ça nous permettra de faire là aussi de meilleurs choix politiques pour le futur. Le deuxième point, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, mais c'est l'accompagnement des entreprises, quelles qu'elles soient, en termes de conseils et de développement. Nous avons eu raison de fusionner Côte d'Armor Développement et Côte d'Armor Tourisme pour en faire une seule agence. Mais je crois que nous ne sommes pas arrivés au bout de notre exercice. Il y a encore dans notre département trop de structures qui doublonnent, qui interviennent sur les territoires, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une bonne structure départementale qui, dans le domaine du conseil du développement, soit musclée avec des hommes et des femmes de qualité pour apporter conseil à nos entreprises. Donc il faut regarder, je ne dis pas une seule agence, bien entendu, mais avec la chambre de métiers, avec la chambre de commerce, avec la chambre d'agriculture, mais aussi, il faut le dire, avec les intercommunalités, les pays. Arrêtons, essayons de mutualiser, de coopérer ensemble. Il faut aller plus loin sur ce sujet. On ne peut pas rester dans la situation actuelle. Je sais que c'est partagé sur vos bancs et sur d'autres, donc je prendrai là aussi des initiatives pour que nous puissions entreprendre collectivement ce travail. On ne peut pas dénier au Conseil général cette responsabilité, au moins de réunir les acteurs autour de la table et que l'on puisse avancer sur ce sujet. Le troisième point, et je partage ce qui a été dit, y compris sur tous les bancs, je suis convaincu, effectivement, que la bonne restauration de nos budgets publics doit profiter d'abord et en priorité à la croissance de l'investissement public. L'investissement public est un outil important en matière de développement, pas simplement pour les entreprises, mais faisons déjà notre métier à nous. Nous faisons un effort sur les collèges. On va arriver à 20 millions d'euros. C'est autant d'activités pour le bâtiment. Je pense qu'avec Côte d'Armor Habitat, Jean-Jacques Bizien, il faut qu'on aille plus loin dans notre partenariat pour être encore plus efficace, parce que le logement social est un super outil, et Côte d'Armor Habitat et les autres opérateurs, pour donner du travail aux entreprises costa-armoricaines. Ils le font, mais nous devons collectivement, là aussi, aller plus haut et plus fort en matière de bâtiment. Et puis, je voudrais, et je ne désespère pas, que nous puissions réinvestir le champ des travaux publics, et notamment à travers les infrastructures. Alors, nous finançons la LGV, ça ne nous profite pas dans un premier temps à nous directement en termes de travaux. Il y a certes des groupes, des entreprises costa-armoricaines qui y travaillent, mais ce chantier est plutôt à l'est de notre région plutôt qu'à l'ouest. Et par contre, quand on fait des infrastructures ici sur notre département, eh bien là, effectivement, c'est le secteur économique des TPE, et on le voit dans l'assainissement, dans l'eau, y compris dans les routes, dans les transports, où il y a encore beaucoup à faire. Et je suis sûr que si nous avions les moyens financiers, nous pourrions investir dans ce domaine et très vite repasser la barre des 100 millions d'euros d'investissement pour notre département. Enfin, sur la nouvelle économie départementale, ça a été évoqué par quelques-uns, par tous, il faut désormais que notre développement soit un véritable développement durable. On ne peut plus imaginer un développement économique, de l'emploi, des métiers qui préservent totalement notre environnement. Ça doit être constamment présent à l'esprit. On ne peut plus faire comme on a fait dans le passé. Les entreprises ont fait beaucoup d'efforts sur le sujet. On doit aller beaucoup plus loin encore. Et je pourrais mettre notamment l'économie numérique et tout ce qui peut participer au développement de notre territoire.
Et puis, dernier point, je l'ai dit dans mon propos liminaire, mais j'y insiste, c'est l'accord qui a été signé entre les représentants du patronat, pas toutes les organisations syndicales, certaines d'entre elles et non des moindres, ont accepté de faire un effort pour signer un vrai compromis positif sur les parcours professionnels, sur la sécurisation des parcours, sur l'adaptabilité, l'organisation du travail au marché et notamment aux commandes qui sont passées avec les entreprises, parce qu'on sait qu'une entreprise, l'activité, ce n'est pas comme ça. Il y a des moments, il y a des saisonnalités, il y a des baisses de commandes, il y a des augmentations de commandes. Donc il faut qu'on avance collectivement sur le sujet, mais à condition que les chefs d'entreprise et les salariés s'y retrouvent. La richesse d'une entreprise, ce n'est pas les patrons seuls ou les salariés seuls, c'est l'ensemble de ce qui fait vivre l'entreprise. Hein. Et là-dessus, on doit forcément aller plus loin. Et je pense que cet accord, en matière de culture, hein, de la négociation, est un bon accord pour l'économie nationale. Dernier élément que j'allais oublier, la proposition, c'est que nous soyons assez performants en matière d'observatoire départemental de l'économie. Je pense que un dossier comme nous en avons un, il faudrait qu'on l'ait de façon régulière. Et je m'interroge si nous ne devrions pas avoir au moins tous les trimestres, non pas une situation économique et sociale, mais les données économiques et sociales et l'évolution, parce qu'on le verrait en tendance et en flux. Hein, et d'ailleurs, on appréciera bien la situation de nos départements que si on connaît la réalité de notre tissu économique, en disant quelles sont nos forces. Et on sait qu'il y a des endroits où il n'y a pas besoin d'accompagnement du Conseil général. Par contre, il y a des endroits qui sont plus en tension, qui doivent avoir une attitude, une attention beaucoup plus importante de la part du Conseil général sur le sujet. Donc ayons, hein, et on va voir avec Monique comment développer, il y a déjà des amorces, il y a déjà des choses qui sont faites, hein, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin en matière d'observation pour mieux connaître l'économie de notre département. Et puis avant de suspendre nos travaux qui reprendront cet après-midi, vous dire que vous excuserez mon absence, car je m'en vais rejoindre la région parisienne, puisque ce soir, à 19h15, pendant plus d'une heure et demie, les ministres en charge de la décentralisation recevront les associations pluralistes. Donc l'ADF passera ce soir. La ministre avait 3 jours pour le faire. Hein, et mercredi matin, j'ai une assemblée générale extraordinaire des présidents et présidentes de département où nous allons travailler sur le texte. Une réunion de bureau d'ADF qui prendra une position officielle dans l'après-midi sur le sujet. Donc, une soirée, une bonne journée de travail. Donc, vous m'excuserez parce que c'est aussi pour la bonne cause qu'est la défense des départements. Vincent Lemot présidera les travaux de cet après-midi. Monique Leclésio aura la présentation avec Philippe Mellet et Sylvie Bourbigo des délibérations. Mais je suis sûr que vous saurez faire sans moi, il n'y a pas de problème. Hein, et qu'il y aura là aussi une bonne qualité de nos travaux. Enfin, l'administration de notre maison bouge. Des directrices décident de muter dans d'autres collectivités ou structures. Et la DIPOMS, depuis le départ de Sophie Thurial-Burlot, était sans direction, avec Vincent Lemot, sur proposition de celles et ceux qui ont participé. J'ai retenu la candidature de Catherine Gallardon, qui était chef de service au sein de la D2ET. Hein, l'avez-vous, Catherine, qu'on vous voit ? Voilà. Catherine Gallardon, voilà, qui va dans quelques jours assumer cette responsabilité. Et je lui fais totalement confiance. Je sais qu'elle en a les capacités. Maintenant, il faut relever le défi. Je ne vais pas lui mettre trop de pression, parce que c'est déjà un exercice difficile, surtout dans ce secteur. Mais nous la connaissons, et c'est pour cela que j'ai voulu lui faire confiance. Au sein de l'Assemblée, nous accordons des promotions à des directeurs et des chefs de service dont on estime qu'ils peuvent aller plus loin dans leur parcours professionnel. Nous avons le souci aussi de recruter à l'extérieur, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne complémentarité de 109 aussi. C'est ce que nous faisons. Et je suis sûr que Catherine va exceller dans cette nouvelle responsabilité. Mais rendez-vous dans quelques mois, dans une année, pour en fixer là la première évaluation. Voilà, mes chers collègues, il est 13h06. Je suspends les travaux et vous vous retrouvez ici à 14h30 sous l'autorité de notre Benjamin Vincent Lemot.
c'est le baptême du feu.